Place Génie sur Europe 1. 16h, 18h30. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui. Michel Bernier. Bonjour. Christine Bravo. Ouais. Christophe Beaugrand. Ouais. Jérôme Bonaldi. Ouais. Florian Gazan. Ouais. Et Christophe de Chavard. Ouais. Quelle ambiance! Oh bah attends, faut dire qu'on est quand même tous réunis pour l'anniversaire de Christine. Ah non, elle voulait pas qu'on en parle. Ah pardon. Bah, c'est partout dans Wikipédia, sur Internet oui, et tout. Dans le Parisien. D'ailleurs, je dois dire que j'ai de nombreux mails aussi. Je suis désolé, Christine. On avait. Bah, ah, mais moi, j'ai juré que je n'en parlais pas. Cette nuit, tu m'as promis que tu n'en parlerais pas. Pendant que je dormais, vous m'avez envoyé des dizaines de textos auxquels je n'ai pas répondu. Évidemment. Mais 69, c'est l'année ou c'est l'âge? Je sais jamais. On est passé à trois chiffres. Non, mais elle fait beaucoup moins. Non, mais Christine, c'est. Mais c'est, arrête. C'est comme ça, on n'en parlera pas. N'est-ce pas, Sylvie? C'est aujourd'hui? Allô? Ben ouais. Bonjour Sylvie. Bon anniversaire. Oui, bonjour tout le monde. Pourquoi bonjour, vous Sylvie. M'avez envoyé un mail, Sylvie? Bah, écoutez, c'est parce que alors je suis prof dans un collège et je fais beaucoup de routes par jour pour aller à mon travail et je vous écoute bien évidemment en podcast tous les jours aller-retour. Et bah, y a des fois, je vais chercher des vieux enregistrements. Ah, j'ai compris, je vais chercher j'ai des vieux. L'autre jour... Des vieux non, élèves. Non, Christine, rassurez-vous. j'ai cherché des vieux enregistrements et l'autre jour, je suis tombée sur un enregistrement où Christine racontait qu'elle n'était pas née le, jour de... le même jour que sa grand-mère. C'est adorable, mais vous savez pourquoi je ne suis pas née le même jour que ma grand-mère? Bah, parce qu'elle est plus vieille que vous, déjà. Encore. Oui. Parce ça, que ce n'est pas une obligation. Autant en Autriche, c'est possible. Mais pas en France. Mais non, mais il y avait une raison, vous êtes idiot. Ma mère pouvait pas blairer sa belle-mère espagnole. Déjà. Il y avait déjà des problèmes. Et ma grand-mère était née le 12 mai. Ah. Et je suis née à minuit 2. Le 13, parce que ma mère a dit qu'elle avait serré les fesses à mort. Ah oui. Alors c'est pas par là que ça se passe. Hein. C'est pas... Ou alors c'est... Ah, mais tout s'explique. Oui, mais ça aide, Christophe, ça aide. Non, non, mais tout s'explique. Ça aide à tenir le reste aussi. Ouais. Enfin, neuf mois, c'est de la constipation. Ah. Hein. Et donc, elle avait serré... Une petite crotte. Elle avait... Ah, c'est un gros popo. Ouais. Ah, c'est un gros popo. Ah, non, c'est pas Christine Bravo, c'est Christine Popo, maintenant. En tout cas, ça fait un moment qu'elle nous fait chier. Oh là là là. Elle avait donc contracté son périnée à mort. Mort. Ah voilà, ouais. C'est bien. Pour pas que je naisse. Et ouais, vous avez traversé les Pyrénées pour venir jusqu'ici. Ah, ça c'est joli. Bravo. Non, bravo, c'est vous. Sylvie, ouais. Alors souhaitez un bon anniversaire à Christine. Alors allez-y. Bah oui, bon anniversaire, Christine. Merci, ma louloute. C'est dommage que je suis pas avec mes élèves, sinon je leur aurais fait chanter. Vous êtes un stit. Que je sois pas. C'est normal que je suis pas avec mes élèves. Alors, ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est mal barré. Hein. Oui, mais vous êtes pas prof de français. Si. Non, je suis prof de musique. Ah, bah c'est ça. Bah, tout s'explique alors. Alors, attendez, vous allez donner le là, tout simplement. Le public, vous avez des élèves oh ici. Non, c'est merde. Le public ici présent. Alors, Sylvie, c'est vous qui donnez le là. Attention, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Christine. Joyeux anniversaire. Christine. Joyeux anniversaire. Oh, elle est émue quand même. Regardez, finalement, il y a un petit cœur qui bat. Et en espagnol, ça fait comment? Tu veux que je te dise? J'ai quand même... Ah non, me faites pas le coup en espagnol, parce que ça me rappelle trop l'anniversaire de Claude Sarraute. Cumpleaños feliz. Tu te souviens? Beaugrand, vous étiez là, vous vous souvenez? Oui, je me rappelle. L'anniversaire de Claude Sarraute. Ah, c'était magique. L'anniversaire de Claude Sarraute, il y avait tout un orchestre. On était à Cuba, là, à Havane, on était 20-25. Il y avait un orchestre qui commence à jouer Bon anniversaire pour Claude Sarraute, mais la traditionnelle, quoi, la chanson Happy Birthday en cubain, quoi. Et là, il y a Christine qui se met à hurler « C'est pas celle-là ouais. !»« C'est pas ça, la chanson !»« C'est pas ça qu'il faut jouer !» C'est en train de repas, alors. Ça, c'est vous limiter quand elle est calme. Et là, elle aura fait jouer une chanson « Bon anniversaire » que personne ne connaissait, oui, d'autre que Christine et l'orchestre, mais elle a été très, très contente. C'était pour l'anniversaire de Claude Sarraute, mais elle était très, très contente. C'était quoi, cette chanson, d'ailleurs? Mais
c'est Las Mañanitas, c'est ce qu'on chante dans ces pays-là pour le jour de l'anniversaire. Est-ce que quelqu'un connaît Las Mañanitas? Bah, peut-être la prof de musique, Las Mañanitas. Vous connaissez Las Mañanitas? Non, je suis désolée. Oh. Et vous connaissez Jean-Marc Magnatis? Ce serait pas ça, des fois. Là, je vais pleurer, je te jure. Ça fait 10 ans que j'avais pas entendu magnétisme. Ouais, je vais pleurer. Ah oui, ça, effectivement. C'est moi, quand même. Ah, c'est surtout inconnu. Mais c'est surtout. Non, mais t'as pas envie qu'on fête c'est pas bon anniversaire. Ça met une ambiance. C'est tous les latinos qui écoutent. Aux enterrements, ils ont ça. C'est pas les bougies que t'allumes, tu t'immoles là quand t'entends ça. Non, mais elle s'est trompée, c'est pas possible. Mais elle s'en est pas remise, hein, Claude, d'ailleurs. C'est un adieu. On n'a jamais revu Claude. Oui, c'est vrai, depuis, on la voit beaucoup moins, c'est vrai. Écoutez un peu quand même. Bah, oui. C'est pour l'anniversaire de ma copine. Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Vous êtes toujours sur Europe 1. Bienvenue sur Radio Latina. Vous n'êtes pas trompé de bouton. Mais joue quoi aux enterrements? On est obligé de l'écouter jusqu'au bout, Christine. Bah, c'est que c'est nous. Moi, attends, le refrain. Oh non, c'est pas arrivé. Oh merde. Moi, je croyais qu'ils s'accordaient leurs instruments. Vous nous dites quand c'est le refrain, Stan. C'est là. Ah non, non, c'est pas ça. C'est après. Après. C'est juste après. Là, c'est attends, quand c'est à la fin. Mais taisez-vous. Là, c'est quand la boîte rentre dans le trou. Ouais. Alors, ça y est, ça c'est arrive. C'est maintenant le refrain. Attention. Attention. Alors, le refrain. Attention. Écoute, attention. Écoute. Prenez vos pelles. C'est quand le refrain? C'est là, c'est maintenant, c'est maintenant. Là, c'est maintenant, mais c'est jamais. C'est juste après ça. Ah bon, dans 8 c'est minutes. Après 2h30. Ouais, c'est en train de se faire entuber là. Entubé. Mais ça arrive quand? Ils sont en train de faire. Il n'y a pas de refrain dans cette chanson. Ouais. Là, non, c'est pas la version avec refrain. C'est la seule chanson où il n'y a pas de refrain, putain. C'est le groupe Los Antidepressos. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et non, moi, j'ai une chanson de Linda Lemay. Non, c'est Christophe. Los Depressos. Christophe, vous imaginez un peu, il y avait l'anniversaire de Claude Sarraute. Super ambiance et tout. Non, mais ça plombe. Happy birthday et l'autre, il fait jouer ça par l'orchestre. Inarrêtable, inarrêtable. Claude qui dit mais c'est pas une chanson d'anniversaire. Mais j'ai une question. Je demande à toute la communauté latino-américaine vivant en France d'envoyer des mails à Europe 1 pour demander qu'on la repasse. Non, oui, non, 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 certainement pas. Ça va aller. Mais c'est pas une laverie en fait. Bon, vous remercie Sylvie. Il y a d'autres combats. Eh bien, bonne journée. Il y a d'autres combats. Ouais. Ouais, non, il n'y a rien. Non, je demande à la communauté. Bring back Los Mañanitas. Ouais, c'est ça. Hashtag bring back Los Depressos. Ah, ouais. T'as Julie Gaillet et la Traveiller qui sont prêtes à aller main dans la main. Ouais. Hein, juste pour les Trocadéro à côté de chez pour elle. Pour les jeunes lycéennes du Nigeria, ce qui est normal. Ce qui est une monstruosité. Pendant que Christine Bravo, elle sort. Son combat, c'est la Spagnolitas. Rendez-vous la Spagnolitas. Rendez-vous place du Mexique avec des mariachis. Chanté et joué par Los Depressos. Oui, évidemment. Bring back Christine. Vous croyez qu'elle va y aller au Nigeria, la Valérie TripAdvisor? Los Xanacos. Non, mais vous êtes contente quand même qu'on vous le fête finalement. Allez. Vos amis sont là. Où ils seraient ailleurs hein? Ok, alors à ton c'est avis, vrai. Pourquoi je t'ai demandé de pas en parler? Pour qu'il en parle, évidemment. Ça, c'est la première chose que je me suis dit en me réveillant ce matin. Puisque j'avais des textos. Si elle veut pas qu'on en parle, c'est qu'il va falloir qu'on dise. Elle a fait ça parce qu'elle s'est dit ce connard, il est prêt. Il va oublier. Ce qui est vrai, d'ailleurs, j'aurais pas su autrement. Ouais, bah voilà. Ah bah tu vois, et on s'entend bien finalement. J'ai même pas eu le temps de prendre Vanessa au téléphone. Ouais, pas bah non, depuis tout à l'heure. Pourtant, je viens de sortir un album. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Comment ça va, Vanessa? Vous étiez surtout contente d'entendre Kenji gagner The Voice. Ah bah tu m'étonnes. J'étais pas particulièrement contente qu'il gagne, mais je me suis dit que j'imaginais qu'on passerait un bon moment chez vous avec Flo. Sur ce sujet-là, et surtout voilà, avec Florent Gazan qui certainement allait réagir à ce sujet. Ah bah, on l'a quand même fait gagner, il faut dire ce qu'il y a. Sans nous, il ne gagnait pas. Évidemment. Il n'aurait même pas passé les castings sans nous. Évidemment. Gazan, alors vous nous le faites. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'ai des demandes. Hein,
très précise. Je ne sais pas si vous avez une chanson, Vanessa, une chanson en particulier que vous diriez interprétée par Kenji. Johnny, c'est pas forcément. Allumer le feu, il a fait. Ah bah Johnny, vous voulez un Johnny. Faites-moi un Johnny. Allumer les feux et faire tomber les diables, les dieux. Bamboléo, Joby. Arrête. Je te fais Vanessa. Joe les taxis, va pas partout, il va pas au soda. Et on a tous quelque chose de Tennessee. Là-bas. On a tous quelque chose de Tennessee. Tu veux faire un. J'ai envie de prolonger la nuit. Thriller de Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est, Thriller? Billie Jean, c'est bon pour le moral. Vous pouvez faire c'est bon pour le moral. C'est pas pour le moral. C'est pas pour le moral. Ah, Madonna. Like a virgin. Ah, j'ai une demande pour vous aussi d'ailleurs, ah bon, Christophe Beaugrand. Pourriez-vous chanter de partenaire particulier à partenaire particulier? Oui, bien sûr. Oui. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Déstressé, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire. Ah, c'est bien. J'ai aussi Biche ou ma biche qui est demandé par Julie. C'est beau ça. Mais avec la voix d'Isabelle Mergo. Biche ou ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche ou ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Un petit message de Laurine maintenant qui me dit: je suis venue avec ma maman Clarisse qui vous adore particulièrement. Qui m'adore, moi? Elle est tout le monde. Elle aime bien. Elles sont où d'ailleurs, Clarisse? Et voilà. Ah, c'est vous. Ah, bah voilà. Laurine. Oh, bah Laurine, c'est la jolie jeune femme que vous aviez repérée, Christophe. Et sa maman. Mmh. Je pense que si Pierre Bénichou. Elle se ressemble d'ailleurs. Si Pierre Bénichou avait été là, faisiez un coup de deux. Un coup de deux. Un coup de deux, comme dit Pierre. Ça, c'était un coup de deux. C'est pas moi qui dis une chose pareille. Ah non, mais c'est vrai. Vous êtes ravissante, madame, et votre fille. Et la maman aurait plu à Pierre, mais grave de chez grave. Vous êtes le style, madame, je vous le dis, Clarisse. Vous êtes le style de Pierre Bénichou. Voilà, elle a l'air très affolée. Elle se dit, hein. Oh, je suis sauvée. Une bise de Michel Bernier ou de Christine Bravo lui ferait le plus grand des plaisirs. Mais les deux. Mais elle a les larmes aux yeux, la dame. Et maman adore les deux Christophe, Beaugrand et De Chavannes. Bah, on va l'embrasser. Oh. C'est très bien. Mais Christine, on lui a rien demandé. Quand je l'embrasse, elle pleure. Maintenant, elle pleurait déjà. Elle est émue. Elle a échappé un tour en Méduse avec Bénichou. Mais moi, je comprends. Si je me rencontrais pour la première fois, ça me ferait pleurer. Et on mettrait une chanson mexicaine. Elle est en larmes, la dame. Elle est en larmes. Oui. J'aimerais beaucoup que vous lisiez mon mail, nous dit sa fille, Laurine, ici présente, pour faire cette petite surprise à maman qui m'a dit de ne surtout pas le faire. Elle est trop mignonne, Clarisse. C'est la journée. Parce qu'elle est très timide et je sais qu'elle va détester. Mais regardez, elle est heureuse quand même. On vous embrasse. Mais elle est aussi heureuse que si elle avait vu Bénichou. On peut pas lui mettre la smanianita. Ouais, ça va lui remonter le moral. Attendez, quelle est votre chanson préférée, madame? Alors. Pour le coup, je sais pas, dit-elle. Bah, elle est trop. Demandez à sa fille, Christophe. Vous avez l'air d'avoir. Oui, Christophe. Qu'est-ce qu'elle aime comme chanson? Rapprochez-vous. Rapprochez-vous de la fille. À son âge, c'est Tino Rossi. Non, pas. Je l'ai dit, j'ai embrassé la maman, j'ai pas embrassé la fille. Ah oui, oui, ça manque, ça manque, Christophe. Très courtois, non, bah non. Et il est pas obligé de la. Oh là là. Oh là là. Elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. C'est pas le même bisou, hein. Ah non. Christine est verte parce qu'elle dit mais c'est mon anniversaire à moi, pas à elle. Elle est même pas née ce jour-là. Non, mais c'est la même année. C'est vrai d'ailleurs, qu'est-ce qu'on. D'un seul coup, on est là à parler c'est à cette dame, c'est dingue. Pas son anniversaire. Non, oui, je trouve ça indécent. Alors maintenant, on revient à moi. Et ma chanson préférée, pour répondre à votre question, c'est Las Maninitas. On a déjà donné ça. Non, mais vous avez bien autre chose quand même. Il y a le Condor Passa aussi. Ah non, non. Avec la flûte de Pan, j'en aime tous. Je sais. Quelle est la chanson préférée de Christine? C'est... Il y a deux chansons. Alors, moi, mes chansons préférées interprétées par Christine. Il y en a une, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais elle parle. Non, non, cette dame était en train tu de dire... Tu étais en train de parler de moi. Non, mais Christine, elle se met à parler d'elle. Mais non, elle est malade. Tu es malade. Elle m'énerve. Mais t'inquiète pas. Non, Christine. T'inquiète dame, pas, Christine, elle n'aura pas de pige. Cette dame était en train de dire le titre de sa chanson préférée. Mais c'est trop tard. Laurent était en train de parler. Et c'était de quoi alors, Christophe? J'en sais rien, elle lui a dit de la fermer, alors on n'a pas entendu. Amy Winehouse, donc c'est Amy Winehouse, au revoir. Laurent, est-ce que tu peux. Amy Winehouse, avec quel Winehouse, c'est bien pour Christine, ça. C'est Laurent. C'était doux. C'était bien pour Christine. Est-ce que tu peux finir ta phrase? Oui, il y a deux chansons que Christine aime bien, c'est Avoir un bon copain. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Avoir un bon copain. Ça, c'est la meilleure. Au monde, voilà. Avoir un bon
c'est plus fidèle qu'une blonde. La 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 la. Vous êtes bien sûr Europe 1. Ensuite, on retrouve le sémillant Laurent Ruquier sur Europe numéro 1. Si c'est que ça envoie, ça déchire. Hein. Vite, parce qu'elle va recommencer à jacter. Et la deuxième, c'est « Ça tourne pas rond dans ma petite tête ». Ouais. Ah oui, elle va encore le chanter avec la voix de Allez, de faites, faites-la moi, Christine, allez. On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des soies, maman. Elle a crié comme une folle, hurlé « C'est injuste » et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Parfois j'ai de drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des... bêtises. Ben voilà. Et maintenant, Amy Winehouse. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé ? Je commence par vous, Christine Bravo, puisque vous êtes assise à la place de François Renucci, qui a gagné. Une question facile alors pour Christine. Là. Bah, on va parler du Nigeria. Tout le monde, hélas, parle du Nigeria actuellement, qui est un des plus grands pays d'Afrique, surtout le plus peuplé, à 5 millions près. Hein, combien y a-t-il d'habitants au Nigeria, Christine Bravo ? 80 millions. 80 millions à 5 millions près. Écoutez, c'est le double. Il y a presque 170 millions d'habitants. 170 millions d'habitants au Nigeria. C'est trop. Comment ça ? Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais c'est pour vous dire à quel point ce pays... Non, parce qu'on a l'impression, parfois, on parle de ça, un petit pays d'Afrique. Nigeria, 170 millions d'habitants. Presque trois fois la France. Quoi. C'est quand même assez dingue. Vous êtes éliminé, Christine Bravo. À vous, Christophe de Chavannes. Qu'est-ce qui va se passer au JT de 20h ce soir sur TF1 ? Il va y avoir Didier Deschamps qui va donner les noms des footballeurs qui vont être sélectionnés pour aller à la Coupe du Monde au Brésil. Excellente réponse, regarde comme il est content. Il est pas content. Ici, je me suis dit, je vais encore me taper une question foot, donc je vais au moins regarder ce truc-là. Quoi. Voilà. Florian Gazan, Florian, qui est Good Luck Jonathan ? Qui est Good Luck Jonathan ? Oh bah merde alors, tu sais pas ça connard ? Qui est Good Luck Jonathan ? Alors ça je ne sais pas du tout. Enfin, on parle que de lui en ce moment. C'est le président du Nigeria. Vous êtes éliminé. J'étais en train de le dire. Ouais, tu parles. Le président du Nigeria. Tu m'as pas filé ça au lieu de ta question de merde là. Ah, c'est bien parce que quand c'est son anniversaire, elle est gracieuse. Encore plus que d'habitude. C'est son anniversaire tous les jours alors. Vous êtes éliminé, Florian Good Luck Jonathan. Ça m'étonne de toi, Florian. Bah oui, mais là, je sais pas, chez Delos Mignanito, ça va. Je l'ai pas fait exprès, Michel. Non, j'apporte du foot encore. Non, qui va animer les Molières le 2 juin prochain sur France 2 ? Nicolas Bedos. Nicolas Bedos. Bonne réponse. À qui Alain Juppé a-t-il demandé de quitter l'UMP ? Christophe Beaugrand. Je ne sais plus. Good Luck Jonathan. Il a invité à quitter l'UMP. À Guénaud. À Henri Guénaud. Bonne réponse. Qui a dit qu'il ne quitterait pas ? Non, il a dit qu'il fallait qu'il se calme même. Oui, il n'aimait pas le. Dit que. Ah bah je vais pas vous il dire. Il n'aimait pas le caporalisme. Ah bah voilà, c'était la question que je l'ai posée. Bah, génial, t'as vu, je fais la réponse. Quel talent. Bravo, Jérôme. Il aurait fait semblant de pas savoir. C'est vraiment l'emmerdeur, Alia. C'est la première fois qu'il ouvre la bouche. C'est ça. C'est vrai que ça fait 20 minutes. Il est là autour de la table. Hein. C'est pas pour vous jure. C'est qu'il la est première là. Fois qu'il ouvre la bouche depuis tout à l'heure. Il me nique une question. Le niqueur d'ambiance. Jérôme Bonaldi, pouvez-vous me dire à 5% près combien de Français ont l'intention de partir cet été ? C'est le 14e baromètre Ipsos Europe Assistance. Et d'ailleurs, finalement, on est dans la moyenne des Européens. On est même au-dessus de la moyenne de l'Europe. Les seuls qui partent plus en vacances que nous, ce sont les Autrichiens. Ouais. Allez, 45% des Français vont partir. 45% des Français vont partir en vacances. 45% des Français partent en vacances à 5% près. À 5% près. Donc si j'ajoute 5% à 45, ça fait 50. Si vous enlevez, ça fait 41 jours. Ouais. Et ils sont 58% des Français. Et ils se plaignent.
Bah, c'est pas beaucoup. Ça veut dire quand même. Oh, non, mais franchement, ça fait. Il y a 40% des Français qui partent pas en vacances quand même. Sait, hein. Eh oui, oui, mais il faut le rappeler. Alors que les Autrichiens, ils sont 68% à partir. Ouais, enfin, qui, en même temps, qui c'est normal qu'ils s'en aillent d'Autriche. Qui veulent se barrer de leur pays, oui, c'est ce que j'allais dire. Il me reste De Chavannes, Bernier et Beaugrand. Christophe, pouvez-vous me dire quel match le week-end prochain? Oh non, là, c'est vraiment pas cool. Hein. Comment ça? Bah, c'est pas cool. Quel match de Ligue 1 va être le match le plus passionnant en termes de suspense, puisque ces deux équipes qui vont s'affronter savent que ce sera l'une ou l'autre qui descendra en Ligue 2. Christophe. Oh là 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 là. Mais pourquoi vous me faites c'est facile. Qu'est-ce qu'il dit, c'est facile? Il aime bien quand tu souffres. Non, mais je vous jure que c'est une question facile, ça, parce que c'est vraiment le match qu'il faudra suivre le week-end prochain. Vous êtes en train de me dire qu'il faut suivre un match dont le perdant descendra en Ligue 2. Oui, exactement. Et le gagnant? Bah, le gagnant reste en Ligue 1. C'est tout. Même pas, il gagne la Ligue 1. Non, il n'y a pas la Ligue au-dessus. Bah non. C'est les deux derniers en fait. C'est... Alors ben, ça peut pas être Liverpool, ça peut pas être. Non, c'est en France. Ça peut pas être Liverpool en Ligue 1. Alors, je vais te le dire moi. C'est Guingamp. Non. Ça c'est Guingamp. Ça y est, c'est sûr, il reste en Ligue 1. Je vais vous dire, Gazan, je vous trouvais sympathique, mais je vois dans vos yeux que vous savez. C'était Evian Sochaux. Ah bah oui. Ah bah putain. Et ça te disait rien. Et moi je dirais, passe-moi l'éponge. Evian. Tu le trouvais sympathique. Passe-moi l'éponge. Evian Sochaux. Evian Sochaux. 11 000 personnes ont participé le week-end dernier, cher Michel Bernier. Florian, c'est dommage. 11 000 personnes ont participé à Paris le week-end dernier à la 8e édition de Tout ça. Poil. Tous à. Laissez-la se planter. Tous à. Pour ça. Tous à. Combien ils étaient? Il y a 11 000 personnes qui sont allées. Ah ouais. Mais je les connais, les gens, ou pas? Non. Si, t'en connais sûrement. Tous à. Tous à avec moi. Tous à l'opéra. À l'opéra, mais voilà. Il y en a 60 en France des opéras. Mais oui, tant mieux. Le gagnant est Christophe Beaugrand. Ah oui. Ah oui. C'est des huîtres. Bravo. Ah merde. Non, c'est pas des huîtres. C'est des huîtres. Non. Vous gagnez des huîtres de Charente-Maritime. Si. C'est très gentil, mais là je vais à Orly pour prendre un vol pour aller au Festival de Cannes, donc je vais pas les emporter. Mais t'en fais pas, il n'y a pas d'huîtres dedans, il y a juste une plaquette pour dire passez vos vacances en Charente-Maritime. Il y a un guide. Il y a un couteau pour ouvrir les huîtres. Ah ouais, mais si ça ne passera pas à l'aéroport non plus. Ça s'appelle une lancette. Il y a du pinot de Charente-Maritime. Et il y a un pinot des Charentes, c'est le département de Charente-Maritime qui nous envoie ce petit. Mais ça fait plaisir à ma copine Christine et je lui offre pour son anniversaire. Et tu peux même garder la bourriche. Vous parlez de Christine ou de l'objet? Le journal de Joséphine B, Impératrice, c'est chez Flammarion, c'est signé Philippe Segui pour vous cultiver un peu, connaître un peu mieux l'histoire de France. Vous pouvez aussi évidemment regarder sur Chérie 25 votre consoeur, Christine Bravo. Ah, mais ça, je le fais, les jupons de l'histoire. Les jupons de l'histoire. Mais là, au moins, vous saurez tout sur Joséphine et aussi sur Alésia. Le confrère de Christine Bravo, Franck Ferrand, publie Alésia, la supercherie dévoilée. Il y avait une supercherie. C'est vachement. Ouvrage collectif sous la direction de Daniel Porte aux éditions Pygmalion. Tout sur Alésia et cette supercherie dévoilée. Je connais pas Alésia. Moi, j'aime bien Franck Ferrand. Tiens, puisque vous allez à Cannes, les cahiers du cinéma. Ah bah très bien. Ça c'est bien. Vous mettez ça sous le bras, vous verrez. Et ça fait classe. Ouais. Et puis Femme actuelle. Ça aussi à Cannes. Sous l'autre bras. Ça à Cannes, ça marche ça, bien. Ça c'est aussi pour les vieux sur la croisette. Ouais. Tout pour réussir une fête à la maison. Ah oui. Tiens, Christine. Déco, cuisine, ambiance, nos idées faciles. Passe. Je veux changer de douche. Ah oui. Les meilleures recettes avec des cerises aussi. Ça c'est sympa ça. J'adore. C'est vendeur. Comment mettre tout le monde dans sa poche? Vous pouvez tout lire, ça peut servir. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Alexandra, bonjour Antoine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ah, vous avez l'air timide l'un et l'autre. Alexandra est à Avignon. C'est ça, Avignon. Quel temps fait-il? Déclinez votre identité, votre CV, votre savoir-faire, votre métier, votre dîner d'hier, votre livre lu. Ah bah disons, la totale. D'accord. Débrouillez maintenant. Alors à Avignon, il fait très beau, un peu froid, il y a du vent. Et donc moi, j'ai 38 ans, je travaille à Pôle emploi spectacle à Avignon. Il doit y avoir du monde, dites donc, à Pôle emploi spectacle juillet, là, à Avignon. Tout l'été, oui. Oui, on a beaucoup de... L'été, c'est le seul moment où il bosse. Blonde, brune. Brune.
Célibataire. Mmh. Complètement. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, les cheveux. Voilà. Célibataire? Non, par contre, je suis. Non, pas du tout. Je suis mariée avec un petit garçon et je suis vraiment très heureuse de vous. Vous êtes mariée avec un petit garçon? C'est interdit. C'est interdit. On ne fait pas ça, madame. Vous allez être intermittente en prison. Ça, c'est magnifique. C'est Claire Chazal? Non. Non, parce qu'elle fait, elle fait pas des E quand elle parle. Et le livre, et le livre dans tout ça? Alors, donc là, j'ai lu Canary Row de John Steinbeck. Canard WC, je crois. Non, mais non, c'est La rue des sardines, je crois, en français. John Steinbeck, en fait, Oui, voilà. En fait, c'est super sympa, je vous le conseille, c'est un très bon livre. C'est très bon conseil de lecture, très bien. Steinbeck. Voilà, ouais. On le note. Dans les années 20. Ouais. Ah ouais, mais c'est le plus grand écrivain américain et même voire du monde. Quel était son immense succès Des souris et des hommes. Non, il y a un autre. Les raisins de la colère. Les raisins de la colère. Et des souris et des hommes aussi. Mice and Men. Mais là, c'est bien traduit. Canariero de La rue des sardines, c'est bien traduit. Vous régalez. Antoine. À Cormeilles en Parisis maintenant, dans le Val d'Oise. Bah, moi, je suis étudiant en art du spectacle. Oh, bah, décidément. Qu'est-ce que c'est, un étudiant en art du spectacle? C'est un mec qui va bosser au Pôle emploi du spectacle, après. Voilà. Non, mais c'est quoi, sérieusement? Le numéro de ma concurrente. Bah, oui, vous pouvez prendre le numéro d'Alexandra, ça peut servir ça plus peut tard. Vous servir, oui. Mais sérieusement, c'est quoi? Pardon? Étudiant en art du spectacle, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des études, c'est très littéraire en fait. Oui, hein. C'est des études théoriques sur le cinéma et sur le théâtre. Ah, ouais. Voilà. En gros, vous savez pas quoi faire, quoi. Et le livre que vous avez lu alors récemment, Antoine? Alors, j'ai d'avancer. Lu un petit bouquin sur le Théâtre du Soleil et Ariane Mouchkine. Ah bah oui, évidemment. Ben oui. Et le dîner d'hier? Du bœuf bourguignon. Alexandra, votre dîner peur. D'hier, mais pas dit vous, Avignon. Oui, alors en fait, on a mangé des lentilles au fromage et des fraises de Carpentras. Des lentilles au fromage? Ah, ouais, ouais. Ça donne envie. Hein. Parce que les lentilles, c'est bien le fromage. Et des fraises rémoulades. Oui, c'est ça. C'est on a fini avec un café béarnaise. Ouais, j'allais dire. C'est quoi des lentilles au fromage? Oh putain. Sinon, les pauvres auditeurs, c'est horrible. Alexandra, Antoine, attention, on rigole, mais il y a quand même une semaine de vacances en jeu. Vous pourrez partir à 4 en famille dans un des 100 villages vacances, VVF Village, dans toutes les plus belles régions de France, piscine, activités, club enfants, petits, ados. Vous vous amuserez, vous prendrez le temps de faire du sport, de jouer avec vos gosses, vous pourrez vous reposer. Voici la question qui va vous départager. Kei Nishikori est le premier japonais du genre. Nishikori est le premier japonais du genre. Premier japonais à avoir fait quoi? Alors j'ai vu la tête de Florian, il connaît. Hein. Et un tournoi de tennis. Alors attention, allez-y Antoine. Il a fait du tennis. Je pense qu'il a gagné contre Nadal. Oui, mais ça suffit pas ça. Il a gagné un tournoi. L'homme qui a gagné contre Nadal, c'est l'un des hommes à battre à Roland Garros. Il a gagné à Roland Garros. Non, il y a pas. C'est pas ça. Il y a pas encore Roland Garros là. Non. Ça saurait si un Japonais avait gagné Roland Garros. Vous êtes dans le tennis, c'est bien. Il a gagné contre Nadal. Bon, il avait le petit là. Il a déclaré forfait pour des soucis de dos. Non, alors Antoine, chacun son tour. Antoine maintenant. Est-ce qu'il n'a pas gagné un match contre Nadal? Mais un match, ça suffit pas. Alors, Alexandra, maintenant, chacun son tour. Alexandra. Alors donc, il a déclaré non. Forfait. Ah. Alors Florian Gazan, allons-y. Florian. Pas sûr, mais c'est un de ceux qui a battu Nadal cette année. Il a battu à Monte Carlo, Nadal. Mais c'est pas ça. C'est il a battu en finale. Non, mais c'est donc le premier japonais à gagner le tournoi de Monte Carlo. Non. C'est Nadal qui a gagné le tournoi. À jouer au tennis. À faire une demi-finale. À rentrer dans le classement ATP. Alors, c'est donc le premier dans le top 10. Dans le classement ATP, c'est marqué là, oui. Dans le top 10. On a besoin d'une précision. Mais être dans le classement ATP, ça ne suffit pas parce que c'est les centièmes du classement. Dans le top 10. Dans le top 10. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui. Ils ont ramé, hein. Parce que ils étaient pas loin quand même. Des Japonais dans le classement ATP, pardon. Quel âge il a, Alexandra? Mais il y en a déjà eu des Japonais dans le classement ATP. C'est le premier Japonais à rentrer dans le top 10, les 10 meilleurs joueurs au monde. C'est beau ça. Quel âge il a? Il doit à peu près. Si jeune. Voilà. Les jeunes, ils ont si jeune et des Japonais. Il est entraîné par Michael Chang. Non, Christophe, il n'y a aucun Japonais au numéro que vous avez demandé. Il est entraîné par Michael Chang. Pour les plus vieux, ça. Qui avait remercié Jesus et dont Montfort Nelson avait traduit il remercie son ami José. Et le mec à côté dit non, il a remercié Jésus.
Il a abandonné contre Nadal en finale, ce japonais. Mais il lui mettait une rouste. Mais il n'empêche que le fait d'être arrivé jusqu'en finale lui a permis de rentrer dans le top 10. Bah, il était blessé. Problème de dos. Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone portable, Christine? Je peux savoir? Je réponds à tous les anniversaires. Non, je vois pas. Putain, c'est à moi qu'on pose la question, hein, s'il vous plaît. Oh là là, laissez-la être au centre des attentions. Ben non, je vois que les trois Suisses m'offrent 59 euros pour mon anniversaire. Ben c'est un beau cadeau. C'est vrai que ce serait dommage. Ben c'est pas mal, merde. Si je commande pour plus de 99. Ben vas-y, attends, on va faire une pause dans l'émission, Christine. Laurent, merde, c'est le moment c'est ou jamais. Non, elle était, elle, la pauvre, elle était en train de vérifier si elle avait des bons anniversaires sur son téléphone. Mais non. Ah, merde. Mais elle en a eu un de la Redoute. Elle vient de renverser tout son café sur Christophe de Chavannes. Non, c'est pas du café. Non, heureusement, parce que si c'était du café, tu serais décédé, là. C'est juste de l'eau. Là. T'imagines comment il réagit pour un verre d'eau? Tu te rends compte dans quel état il se met? Oh, ah bah, c'est une vraie leçon d'humidité. Ouais. Ah oui. Je prends simplement soin du matériel d'Europe 1, moi. Alexandra c'est et Antoine, tout. Vous n'avez pas tout perdu. Vous partez l'un et l'autre avec 100 euros de glace Magnum à déguster cet été. Oh là là. Bah 100 euros, vous allez pouvoir vous faire... C'est pas mal quand même. Oui, chance. C'est pas mal. Bon, ça vaut pas la semaine de vacances chez VVF, mais c'est pas si mal. Un bon d'achat de 100 euros pour profiter des glaces Magnum. Un grand congélateur pendant tout l'été. On vous embrasse, Alexandra et Antoine. Qu'est-ce qui est interdit actuellement dans les prisons anglaises? Mais il y a une pétition qui circule, par exemple dans The Guardian, qui réclame qu'on laisse aux prisonniers cette autorisation. C'est le droit de faire l'amour dans un parloir particulier? Non. C'est quelque chose que les gens peuvent avoir dans leur cellule? Alors, pour l'instant, il y en avait des prisonniers qui possédaient ça dans leur cellule. Et, et c'est désormais interdit. En France, c'est autorisé. Mais il y a une pétition, il y a un soulèvement. On leur dit. Voilà, des sextoys. Je sais pas dire si en France c'est autorisé ou pas, ça serait une un bonne animal question. Domestique. Non, une lime. Tu te rends compte, enfermer un chien, ça serait dégueulasse. Ouais. est-ce que c'est hygiénique? Non, pas du tout. C'est vrai que si on l'a interdit. C'est parce que ça peut servir. C'est parce que ça peut servir à se suicider. Oui. Est-ce que ça prend un peu un de place? Un chargeur d'iPhone. Des draps. Non. Les bijoux. Des draps. Des draps, non. Est-ce que ça prend un peu de place? Ou c'est assez petit? Le PQ. Pas plus que ça. Se suicider avec du PQ, il faut en manger beaucoup. Hein. Tu peux essayer de te prendre avec, mais il est prédécoupé, ça lâche à chaque fois. Quoi. On va pas la refaire, mais il faut vraiment être au bout du rouleau, évidemment. Ça, c'est sûr. Hein. Est-ce que c'est des bijoux, Laurent? Des piles? Des piles, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur soi? Non. Ça se mange? Parfois, on le porte, mais ça se met pas sur soi. On le porte, on l'a. Une djellaba? Non, non. Les cheveux. On peut se suicider avec une djellaba. Hein. Les cheveux. Parce qu'avec des dreadlocks, on peut se suicider. Non, hein, peut se non, non. Des lunettes? Non, non. Un compas? Oui. Non, non, non. Attends, des ciseaux. Est-ce qu'il s'agit d'un objet ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une chose? C'est un objet. Un bel objet, d'ailleurs. Un objet souvent. Qu'on tient dans la main? Oui, quoi, qu'on peut... Un stylo? Non, mais je veux dire, le schmilblick. Non. Les draps, c'est pas un objet. Non. Attends, c'est un objet qui tient dans la main. Donc, c'est un petit objet. Ah, ça tient dans la main? Ah non, j'ai pas dit que ça tient dans la main. Ah, c'est grand, t'as dit. J'ai dit que c'est assez grand. Ah, on le tient par la main. C'est un barreau de chaise? Non. Un barreau de lit? Des draps? Des draps? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire en prison dans une cellule? Eh ben, on peut écrire. Du tricot? Non. Se branler? La couture? Oui, on peut se branler. Qui a dit se branler? Ah non, me regardez pas, Laurent. On sait ce qu'elle va commander aux trois Suisses. Oui, elle va commander un objet pour le massage facial. Ah, c'est exactement. Ça. Ah non, j'en ai déjà. Attends, c'est trop drôle, ça. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Un balai. Qu'est-ce qu'on fait en prison? On tourne. Réfléchissez. On regarde la télé. On lit. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure, tout de suite après. Ah, vous imaginez la chanson qu'on va passer derrière. On écoute la radio. Ah, les serviettes, on fait tourner les serviettes. Qu'est-ce qu'on fait en prison? Au niveau de la nourriture? Ben, on s'emmerde en prison. Ah, le café. Le café. Les prisonniers font du café en prison. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils se suicident. Grand-mère, elle a pris perpète. Mais ils boivent de la. Et elle, gringo, je te dis pas, Jacques Vabre. Elle est pris pépère. Mme Taubira, vous savez pas ce que les prisonniers anglais ont le droit de... Je ne sais pas. Vous ne croyez quand même pas que j'ai visité toutes les prisons en Angleterre? Je ne peux pas tout faire. Oh, c'est pas Mme Taubira. Voilà, ça y est. C'est un Roumanoff. C'est un hommage. Bon, alors attends. Est-ce que vous en avez chez... Est-ce que t'en as chez toi, Laurent? Il y a même plusieurs personnalités en Angleterre qui ont signé cette pétition pour qu'on autorise à nouveau les prisonniers anglais à en avoir. Le ballon. Est-ce que ça a
avoir quelque chose. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la vétusté, par exemple, les prisons françaises sont dans un état épouvantable. Est-ce que c'est pareil pour l'Angleterre? Réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait en prison? Est-ce qu'on en a les toilettes. Dans les films, on voit douches, la savonnette. On dessine. Et on va passer un super disque derrière qui correspond à ça. Est-ce qu'on dessine les crayons, les stylos, la peinture? Ah, je sais, les fils où on se parle de barreau à barreau, de fenêtre à fenêtre. Ils gravent quelque chose sur. Quelle chanson on passerait derrière ça? Les couverts en métal? Non. Les lits superposés? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a chez nous, nous tous, autour de cette table? Voilà. Alors, je réfléchis. Peut-être Florian Gazan, peut-être Michel Bernier, Christophe peut-être aussi. De Chavannes. Peut-être quoi? Christine, je suis pas sûr. Peut-être quoi? Et pourquoi t'es pas sûr? C'est un objet qu'on aurait pu chez nous. Qu'on aurait chez nous. Je crois pas que Christine en ait une. Ouais, moi, j'en ai pas. C'est une. Une montre? Non. C'est une fille? Et moi, t'es sûr que j'ai passé à la maison? J'en ai ou ça se peut être, il a dit. Une ex-femme? Je savais que c'était une bonne question. Ça y est, tu l'as. Moi, j'en ai pas. Excusez-moi, est-ce qu'on parle de la cellule ou est-ce qu'on parle de la possibilité de la cellule, monsieur? Dans la cellule. Dans la cellule. Une bouteille thermos, une bouteille en verre? Non. Une théière? Non. Une bouilloire? Une lampe à bronzer? Non. Un chauffage d'appoint? Rappelez-vous que si on leur a interdit, c'est finalement parce qu'on a peur qu'ils puissent se suicider avec. Une bouilloire? Non. Enfin, c'est en Angleterre. Des haltères? Non. C'est quelque chose qui se casse, qui est fragile? Ah non, un rasoir. Ça peut se casser, non, c'est fragile. Une bouteille. C'est fragile. C'est au féminin. Une bouteille de gaz. Et c'est d'ailleurs avec ce qui se casse sur cet objet que, effectivement, les prisonniers pourraient se suicider. Vous avez dit? Un miroir. Un miroir, non. C'est en verre. C'est une ampoule. Est-ce qu'ils se couperaient, les prisonniers? Ils se couperaient? Ils se couperaient, non. Ils se pendraient? Oui, ils s'étrangleraient, ils se pendraient, oui. Dedans, il y a une espèce de fil avec lequel on peut se pendre? Oui, exactement. Une saucisse. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un fil dans un truc. Pas un fil. Un tube. Un câble. Réfléchissez enfin un peu. Bah, la lampe de chevet. Enfin. Non. Ça me démange de vous donner la réponse. Non. Ça démange un grattoir. Un grattoir. Non. Un tube de crème. Ça vous démange. Bah oui, un tube de crème. Des moustiques. Si, un truc à gratter là. Une lumière anti-moustique. Un gratteur. Un gant de crin. Ça gratte. Une raquette. Ça me démange. Une éponge. Ah, une tapette à mouche. Une crème corticoïde. J'ai l'intestin qui me démange. J'ai la guitare. J'avais la chanson, j'avais pas le truc. Une guitare. Et ben, il suffit de laisser la guitare et l'enlever. J'en ai une, effectivement. Eh ben, oui. Ah, vous voyez, mais dont je ne me sers pas. Oui. Moi, j'en ai une dont je me sers pas. Ben voilà, et Gazan aussi. J'en ai une dont je me sers pas. Christine, vous n'avez pas de guitare chez vous? Pour mon anniversaire de 50 ans, tu t'étais fendu d'un superbe cadeau. Ah, il y a 10 ans. Chez un grand artiste cubain. Oui, et qui joue de la guitare, des personnages. Je me souviens très très bien. Eh bien voilà, les Anglais, les prisonniers anglais n'ont plus le droit de jouer de la guitare dans leur cellule, car certains pourraient se pendre avec les cordes de leur guitare. En tout cas, s'étrangler rapidement. Il faut leur donner un tambourin ou un tam-tam. Une flûte. Mais certains artistes britanniques disent c'est pas normal, il faut laisser les prisonniers pouvoir gratter bien comme sûr, ça dans leur, dans parce leur que cellule. S'ils veulent se tuer, ils se tueront tout de même. C'est stupide. Ah oui. Il y a des prisonniers qui se suicident en se jetant la tête contre le mur en courant. Évidemment, je pensais pouvoir diffuser tout de suite après. J'ai la guitare qui me démange. Non, mais non. Mais c'est pas plus mal. C'est bien si on laisse les guitares, ils auront peut-être plus envie de se suicider. Qui est dans sa cellule en train de jouer de la guitare? C'est Elvis Presley dans sa cellule, vous vous souvenez quand même? Mais quoi? J'espère que vous avez lu Le Parisien aujourd'hui, parce que si vous avez lu Le Parisien, vous pourrez me dire le nom de ce peintre que nous présente Yves Jéglès sur toute une page. Allez-y. Reiss. Qui est un peintre fantastique qui a vécu aux États-Unis pendant des années, qui est passé par des tas lui-même, la CAM notamment, et qui est le Français contemporain vivant le plus cher. Après Soulage. Avec Soulage. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Michel Bernier. On avait bien lu notre Parisien ce quand matin. Quand il donne la réponse, avant que vous ayez même posé la question, c'est un type formidable. Oui, parce que je dois dire que moi, je vais admettre mon inculture et mon ignorance, je ne connaissais pas ce peintre. Plus, Vous connaissiez-vous vraiment Christophe avant de lire cet article? Oui. Bah oui, parce qu'il achète. Mais non, pas les moyens, t'es fou. J'ai au téléphone Madame Catherine Grenier, qui est commissaire de l'exposition Martial Reiss au Centre Pompidou. D'abord, est-ce qu'il prononce bien, Christophe de Chavannes, le nom de ce peintre, Madame Grenier? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. En fait, oui, il prononce assez bien parce qu'il le prononce un peu avec l'accent. On dit Martial Reiss,
puisqu'il est du Sud et il tient beaucoup à cette intonation. Mmh. Alors, c'est pas facile à la radio, évidemment, de parler de peinture, mais si on devait définir ce qu'il fait, si on devait décrire la plupart de ses tableaux, de ses œuvres, il y a 200 œuvres exposées au Centre Pompidou actuellement. Hein. Schématiquement, on peut dire que son œuvre, elle se décline en deux périodes. Une très grande période pop, où il a été reconnu très vite. Il a été très célèbre, très très vite, en fait. Et une seconde période vers laquelle il se retourne vers un dialogue avec les grands maîtres de la peinture, et il décrit ses fantaisies intérieures, tout son monde imaginaire, dans le médium de la peinture, avec de très grandes fresques qui décrivent l'humanité, qui sont très burlesques, qui sont assez grotesques, où il montre une humanité de carnaval, en fait. Donc il y a une très grande légèreté dans toute la première partie de son œuvre. La seconde partie l'est aussi, mais sous la forme de la mascarade. Il y a une grande gaieté qui ressort de cette exposition. Ça commence demain, c'est jusqu'au 22 juillet au Centre Pompidou. Martial Ray, c'est vraiment le peintre français contemporain vivant, le plus cher actuellement sur le marché, avec Soulages. Oui, absolument, et c'est justifié, c'est un phare, c'est quelqu'un qui va avoir une reconnaissance qui va être de plus en plus considérable. Lui-même s'était mis volontairement en retrait du monde de l'art, c'est pourquoi on connaît mal son nom. Maintenant, cette rétrospective va bien sûr combler cette lacune, on voit son œuvre, et je pense qu'il va avoir un succès considérable et international. Ah bah ouais, Christophe, il a déjà un succès international. Absolument, il a déjà un succès international, et ça ne pourra que se confirmer, et on l'inscrira dans quelques années aux côtés des noms de Andy Warhol ou de Roy Lichtenstein qu'on connaît bien. Vous dites c'est le Warhol français. Oui, c'est ça, mais il a bossé en même temps et avec Warhol aussi. Absolument, il a vécu aux États-Unis, il a vécu à Los Angeles, il a été ami de Warhol, de Rosenquist, de Dennis Hopper aussi. Il a fait des films tout à fait extraordinaires à découvrir dans l'exposition. Il était l'artiste français le plus américain. Alors, on est content quand même d'apprendre des tas de choses grâce à vous. C'est le peintre du bonheur. Qu'est-ce que vous dites ? C'est le peintre du bonheur. Ça vous va comme définition, ça, ce que dit Bonaldi, le peintre du bonheur ? Absolument, c'est le peintre du bonheur, mais c'est aussi le peintre des vanités. C'est le peintre qui nous dit, le bonheur est là, mais il est éphémère, profitons-en. Mmh. Madame Grenier, commissaire de l'exposition Martial Reiss au Centre Pompidou, j'étais doublement heureux de vous avoir, puisque j'ai travaillé pour Madame Grenier quand j'étais objecteur de conscience. Ah bon ? Ah oui, j'ai lu. C'est vrai. Et ouais, je me souviens de vous, vous savez. Moi aussi, je me souviens très bien de vous. C'est mignon. Oh, comment il était beau, caillot. Madame Grenier. Madame Grenier. Comment il était, le caillot. Il peignait un peu. Ah bah non, pas du tout. Je connaissais rien en art plastique, mais Madame Grenier est arrivée. Alors, j'étais déjà, moi, je travaillais pour le conseiller pour les arts plastiques précédent quand vous êtes arrivé. Et il y a eu des tas de dossiers. Vous avez eu du boulot quand vous êtes arrivé, parce que il y avait quand même pas mal de dossiers en attente, comme on dit. Absolument. Je me souviens que vous m'ameniez tous les matins deux énormes parapheurs et que si j'avais pas fini, le lendemain, vous reveniez avec les mêmes pour m'inviter. Oh là là, il aime bien le travail bien fait, Laurent. Non, vous étiez très sérieux. Il était gentil. Mais ça riait quand même beaucoup dans le bureau des secrétaires. C'était son émission, on n'a pas signé, celle-là. Bon, vous remercie, Madame Catherine Grenier. Merci beaucoup. Génie sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier, Christophe de Chavannes, Florian Gazan, Michel Bernier, Christophe Beaugrand, elle est belle aussi. Elle est belle, la Christophe. Jérôme Bonaldi, elle est belle. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Christine. Celui-là. Alors, magnatita, magnatita. Pour Christine, on va remettre la magnatita. Vous êtes sûr? En pitié. C'est son anniversaire. Vous allez perdre du monde. Hein. Et les gens s'en vont, là. Ouais. S'il vous plaît. Las mañanitas que cantó el rey David. Heureusement que c'est pas tous les jours. Je vais faire un selfie. J'ai l'impression d'écouter en entendant de l'Eurovision. Elle a un côté Conchita Wurst, Christine. Ouais, il manque les cheveux longs là, la barbe, mais non, ça y est. Il manque que la barbe. Si vous le voulez, vous pouvez acheter son château. Le château de qui? Catherine Deneuve. Non. Ah, pourtant, c'est Yves Lecoq. Non. Si vous voulez, ça y est, vous pouvez acheter son château. C'est en France? Ah, c'est pas en France. C'est une star. C'est une star. Ah, c'est une star. Elton John? Non. Le château est aux États-Unis? Le château n'est pas aux États-Unis. Star de Michael Jackson? C'est un château qui fut construit au 15e siècle. Le château de Dracula. Le château de Dracula. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
Mais c'est pas au 15e, c'est au 13e. C'est celui qu'on appelait Vlad l'Empaleur. Ouais. Ah oui, exactement. Quoi? Ah non, mais lui, alors dès que c'est empalé, tu connais. Mais ça lui rappelle un film qu'il a dans sa vidéothèque. Oui, alors j'ai une autre version de Vlad l'Empaleur. Il a empalé ses PC. Pas dans sa vidéothèque. Dans un placard spécial. Vlad l'Empaleur. Ça s'appelle Dracula. J'avais été sucer les sangs. Gros suceur. Et vous avez raison, il est du 13e siècle, ouais. Le château de Dracula, le château de Bran ou Bran, je ne sais pas comment on doit dire. Et évidemment, c'est en Roumanie, en Transylvanie, très exactement, pas loin de la Valachie, dont les habitants, les Valachiers, sont... Ouais. Ah oui, j'ai le film aussi. Et tout de suite, c'est marrant, ça fait envie d'aller là-bas, non pas ouais. Non, mais c'est magnifique. Où c'est, où c'est-il que t'habites? Bah, Valachie. Bah, voilà. En Valachie. Voilà. Mais il y a plusieurs milliers de visiteurs chaque année, évidemment, qui se rendent dans ce château, en la demeure plus, de. Il y a des gens qui viennent te voir. Vous avez raison, c'est château. La demeure de Vlad III, l'Empaleur. L'Empaleur. Pas l'Empaleur, l'Empaleur. Et pourquoi l'Empaleur? Ah bah, parce qu'il empalait tout le temps. Il empalait tout le temps. Je n'arrête pas d'empaler. Oui, ça l'intéressait beaucoup, il empalait tout le temps. Non, mais il était surnommé comme ça parce que c'était un chef de guerre terrible et très cruel, et il tuait ses ennemis de manière extrêmement cruelle en les empalant. Ouais, cruel, c'est... cruel. Il y en a qui aimaient ça. Hein. Enfin, ils aiment ça, mais ils aiment ça qu'une fois. Une soirée dansante maintenant. Je vous emmène au Trocadéro, à l'hôtel Renaissance, dans le 16e. Et là, vous avez deux DJ, Ewan Anderson et Deep Attack, qui ce soir, à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, officieront à l'hôtel Renaissance. Ouais, sauf que cette soirée sera un peu particulière. Pourquoi ? C'est pour la bonne cause ? Non. C'est pour que des garçons ? Non. C'est les visiteurs qui vont être un petit peu étonnants ? C'est la soirée en elle-même. Le thème de la soirée ? C'est une soirée dansante. C'est une soirée déguisée ? Non, une soirée dansante, pas déguisée. C'est pour hommes et femmes, pour tout le monde ? Pour tout le monde. Taxi boy ? Non. Tous à poil ? Non. Pour les enfants ? Non. Avec quelque chose, sans quelque chose ? La soirée, c'est une soirée normale ? Non, c'est pas une soirée normale. C'est pas une soirée normale. Au profit de quelque chose. Ce n'est pas au profit de quelqu'un. C'est une catégorie particulière de gens qui viendront ? Non, tout le monde est amené. C'est payant, c'est payant. Ce sera payant. Et ben ça sera sans moi. Est-ce que c'est Eh ben là, voilà la réponse. C'est pas possible. C'est ça la réponse, c'est une soirée sans Christine. C'est pas possible. Est-ce que c'est la musique qui va passer qui va être particulière ? Alors la musique, elle va pas être la façon de la jouer. La façon de la jouer, pas tout à fait non c'est plus. C'est un hommage à un musicien ? Non. La lumière, peut-être les, non plus. La mise non, en scène ? Non. Vous dites que ce sont deux DJ, donc ils ont mixé tout ça ? Non, il y a deux DJ, chacun ferait une musique différente. Est-ce que c'est parce qu'il se fait maintenant des trucs assez marrants ? Les DJ, ils sont, en fait, ça va être parfaitement silencieux parce que tout le monde a un iPhone. Ah oui, un casque. Et donc, t'es au casque et t'entends rien du tout. Et tout le monde danse. Alors quand t'as pas ton casque, tu vois les gens qui sont à un rythme effréné. C'est pas ça ? Sans musique. Sans c'est musique. La soirée dansante dans le silence. Ouais, bonne réponse. Mais c'est vachement malin. Tu le savais. Bonne réponse de Jérôme. Mais Bonaldi. Tu es un malade mental, psychopathe. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Il le savait. Non, mais moi j'ai essayé. Ce parce que est-ce que ça ne serait pas par hasard, par exemple ? T'as essayé. Oui, c'est vachement essayé, marrant. Hein. C'est incroyable. Ce qui est hallucinant, c'est quand t'arrives dans cette soirée et que tu n'as pas encore le casque, t'arrives et tu vois des gens qui dansent dans tous les sens. On dirait des malades mentaux quand même. Hein. Ça fait un drôle d'effet. Puis à partir du moment où tu mets le truc, t'es dans ton univers. En revanche, pour la communication, c'est pas l'idéal. Ah oui, évidemment, parce qu'il faut enlever le casque pour pouvoir se parler. Oui, c'est ça. Puis en même temps, si tu fais un slow pendant que la fille fait un rock pour danser, c'est pas. Ah, tu peux te prendre un genou dans le menton. Puisqu'on peut pas parler, tu agis. Oui. Dans ces cas-là. Ah, tu touches. Tu empales. Non, mais c'est vrai. Mais on peut pas. Mais au contraire, elle enlève son casque, tu enlèves ton casque et tu peux parler normalement sans être obligé oui, dans un boîtes, silence de total. Crier. Oui, oui. En fait. Pendant que tu parles, t'es en train de parler avec ton casque et t'es en train de... Ah, j'aimerais bien te parler, tu comprends ? Et puis, tout le monde enlève le casque. Oui, tout le monde enlève le casque et t'es en train de hurler dans le silence. Et là, les gens disent, on peut se barrer de cette soirée de merde. Ouais. Puis, les casques des danseurs sont reliés, vous l'avez compris, en Wi-Fi. Ouais. Et vous avez 8 filles ou 8 garçons, hein, ça dépend des goûts, évidemment. C'est comme dans le CAC 40. Hein. Exactement. Et 8 qui sortent. Mais là, il n'y aura que deux choix de musique, puisqu'il n'y aura que deux DJ. Ah bah, oui. Enfin, on peut venir avec son iPod aussi, hein, finalement. Oui. Ah, oui. Ah oui. Oui, on pourrait venir à sa propre playlist. Si on n'aime pas la musique de machin. Ah, mais vous avez raison, je peux venir avec Marie Laforêt dans mon casque. Moi, je peux venir avec Annie Cordy, personne ne va le savoir. Et puis ça se danse. Et Christine avec l'Osmania, machin. Chacun avec sa chanson, c'est bien, non ? Quel est l'intérêt de ne pas pouvoir parler à l'autre aussi ? Mais si, tu peux parler. Tu parles avec les yeux. Mais non, mais en bois, tu parles jamais, tu communiques jamais. Ah si, tu te penches, tu dis. Ouais, je m'appelle Christophe. T'arrives à pécho comme ça ? Non. Non, généralement, les meufs s'approchent et disent « Ah, ma mère vous adore !» Je suis en train de passer aux grand-mères.
Ça, c'est vrai que c'est ça maintenant. Ah, ça, c'est ça. Ah, bah, moi, avant, c'est là quand on sent qu'on vieillit. Je peux avoir un autographe, c'est pour qui? C'est pour moi, très bien. Comment, comment tu t'appelles? Laurent, c'est très bien. Hein. Quelques années après, je peux avoir un autographe, bien sûr, c'est pour qui? C'est pour ma mère. Là, j'ai commencé à mal le prendre parce que ça, c'est. Et je commence les grands-mères. Je commence les grands-mères. Les Silent Garden Party, ça s'appelle, ces soirées où on. Silent. Comment vous dites? Silent. Oui, moi, j'ai mon casque à moi. Et tu parles anglais avec toi. Pierre Bénichou, il fait un peu ça dans cette émission de temps en temps avec son casque. Il travaille sur radio. Il fait une émission parallèle. Oui. Alors lui, il a une chanson, c'est Rompiche. il travaille sur Radio Montmartre à côté. N'empêche que les voisins adorent ce genre de truc. Et oui, c'est pour le voisinage. Oh bah, tu tapes des pieds, t'es marrant toi. Alors là, franchement. C'est vrai qu'il n'y a pas plus bruyant que les sourds et muets. Oh là là. Oui. Ils font un de ces bruits. Non mais je vous jure que c'est sous prétexte qu'ils n'entendent pas. Mais exactement. Juste pour nous faire voir. Moi, je suis allé dans un restaurant de sourds muets. Mais je vous jure, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que vous avez manger de la carte. Mais non, mais c'est avec les couverts. Oui. Comme ils n'entendent pas. Ils font pas gaffe. Oui. Ils font pas gaffe. Donc c'est super bruyant parce que le bruit des fourchettes, des cuillères, des assiettes. Et quand ils parlent. Ils poussent des cris. Mais non. Mais si, quand ils font. On devrait les interdire. Avec les on devrait leur donner des couverts. On devrait leur couper les bras, voilà. Non, on devrait leur donner des couverts. En plastique. Non, des couverts en mousse. Non, mais tout est parti d'une soirée silencieuse. Mais oui, tu as quand même commencé par dire que ça t'avait énervé. De quoi? De les entendre. Je suis jamais allé dans un restaurant pour sourds-muets. Juliette Binoche a dit oui pour son 60e anniversaire. Ah ouais. 60e anniversaire de Godzilla. Oh, mais comment vous savez ça? Bah, c'est quand même la française qui joue Godzilla. Bonne réponse de Christine Bravo. J'adore ça, c'est un grand lézard. Mais pas son 60e anniversaire à lui, à Godzilla. C'est les 60 ans de Godzilla. Moi, je connais pas Godzilla. Oh, c'est génial, c'est japonais. C'est un lézard. C'est une espèce de dinosaure qui a été rempli de charges électromagnétiques nucléaires, etc., et qui devient monstrueux. En fait, il casse les villes. Qui attaque la Terre. Ça a été créé mais après... non, il défend le monde. Moi, il défend le monde contre d'autres monstres énormes. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'origine, ça se passe au Japon, c'est après Nagasaki, Hiroshima. Donc, en gros, c'est les radiations nucléaires qui ont transformé cette petite bestiole en gros Godzilla. Et il y a eu d'autres bestioles également transformées. D'abord, on dit Godzilla ou Godzilla? Godzilla. Au Japon, on dit Godzilla. Godzilla. Et en fait, il défend le monde contre les monstres encore plus méchants que lui. Enfin, mais lui-même n'est pas très sympa. Le problème, c'est qu'il arrive et il pète tout. Alors, les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est pour leur bien. Oui. Parce qu'il les écrase dans un premier temps. Donc, c'est compliqué. Parce qu'il les voit pas. Et il a 60 ans déjà. Il est trop gros. Ouais. Et Juliette Binoche, c'est bizarre qu'elle fasse ce genre de film d'habitude. Jean Reno avait fait le précédent. C'est vrai que c'est curieux de voir Juliette Binoche dans ce film. Il faut dire quand même quelque chose. Elle meurt au bout de 10 minutes hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas l'héroïne du film. Mais le réalisateur t'es dit que c'est sympa de nous raconter l'histoire. Mais c'est déjà dans la bande-annonce. C'est le truc fondateur du scénario de ce film. Dans la bande-annonce, on la voit mourir, bien sûr. C'est Marion Cotillard qui lui a appris à mourir en 10 minutes. J'espère qu'elle a appris à mourir bien. En fait, le metteur en scène que j'ai interviewé la semaine dernière, c'est pas vrai. Mais c'est parce que je suis l'ami des stars. Brad Stevens, vous aviez interviewé Gareth Edwards. Edwards, exactement. Et en fait, il explique que lui a écrit une lettre parce qu'il avait très envie de la voir. Il lui a écrit une lettre manuscrite et elle lui a expliqué après que ce sont ses enfants, les gamins qui étaient fans de Godzilla, qui lui ont dit qu'il fallait absolument qu'elle joue dans le film. Et son agent. Et éventuellement pour payer une piscine. Quand vous avez fini l'interview de. Comment s'appelle-t-il? Gareth. Vous l'avez remercié? Il s'est levé ou il était assis, Gareth? Non, arrête, je suis chier. C'est pas bien ça. Non, moi je voulais dire qu'il lui avait dit merci, Gareth. Je l'ai grillé. Je l'ai tellement grillé. Vu venir. Moi aussi, surtout pour Gareth, grillé, c'est bien. On le sentait. C'est les seuls vannes avec une bande-annonce. Que je t'emmerde. Je vous emmène maintenant à Limoges. On quitte Godzilla. Bon anniversaire quand même à ce gros lézard. Godzilla. À ce gros lézard, finalement. Merci, Godzilla. Las Bananitas. Mais en japonais. Oh. Mais c'est vrai qu'elle a le même âge que Las Godzilla. Las Bananitas pour Godzilla. Non, elle a 2 ans plus jeune que Godzilla. Mais elle a la même tête. Et elle crache du feu aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas dire votre âge, Christine. Mais 58, tu les fais pas, je t'assure. Oh, mais arrête. Arrête de taper sur la table tout le temps. Non, mais sans déconner, tu fais moi. Oh, mais écoute, non, mais c'est pas bien de faire ça. Tu parles pas. Non, mais dans 2 ans, ça va être une nouba d'enfer. Mais arrête, ça ne se fait pas. Ça n'est pas galant de dire à une femme son âge, mon petit bonhomme. Mais je m'en fous, j'ai pas envie de la ken.
Ah, parce que toi, t'es galant avec les femmes. Ouais, que donc, quand. Bah, donc jamais. Donc jamais. C'est pour ça que j'en ai pas tellement besoin d'être galant, tu vois. Ah, mais je rigole, je l'aime, ma Christine, elle le sait. Ouais, et elle est sublime pour 58 ans, ma Oh, mais tu m'emmerdes. Mais moi, je trouve que quand une femme a un certain âge et qu'elle fait beaucoup moins. Un certain âge. Oui. Un certain âge. Il a raison, ça, il a raison. Et quand elle fait moins. Il a raison, c'est. Et l'autre, il parle de galanterie. Non, mais je rêve. C'est pour ça qu'on n'a pas dit l'âge de Laurent Cabrol. Qui est né le même jour que Christine. Oui, et qui n'a pas de perruque. Et Nikos Aliagas aussi. Non, mais Christine, là, je soutiens Christophe parce qu'il a raison. C'est tout à votre avantage de dire votre âge. Si vous faisiez plus vieille que votre âge, ce serait emmerdant. Mais vous faites plus jeune. Donc, au contraire, c'est super. C'est et il faut dire, regardez, vous avez vu pour ces 58 balais. Oui, mais on l'ai pas dit à mon mec. On fait 57. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai pas dit à mon mec. Elle l'avait pas dit. Mais... Ah oui, lui, il croyait qu'il était avec une nana de 25. Qui pense qu'elle en avait 45, c'est ça? Enfin, tout le monde peut voir maintenant ça partout. Oui. Je te raconterai. Non, mais elle a raison. Putain, un truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je descends à la pharmacie en mode jogging, tu vois. Sexy, genre, quoi. Vraiment. Pourri. Le cheveu. Ah ouais, vraiment, un samedi. C'était il y a 15 jours. Et puis, je vais chercher mes suppos, comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette passion, on a oublié. Une passion pour le suppositoire qui est assez récente. Et je me retourne. Profil. Et il y a un black, un noir, mais sublime, mais tellement beau que moi, je le regarde et je lui dis, et en parlant à la pharmacienne, je dis, oh, qu'est-ce que vous êtes beau garçon. Je lui dis, vraiment, c'est incroyable. Il me dit, merci madame. Le mec, il ne m'a pas reconnu. Hein. Et donc, vous non plus, c'était Yannick Noah. Et non, et alors donc, il me dit, oui, on m'a dit que je ressemblais à un présentateur de télévision. Et je dis, oui, Roselmack, mais en plus grand. Harry Roselmack. Ah ouais, vraiment la même tronche, le même sourire, magnifique. Beau gosse. Ouais. Et puis, je lui dis, je vous dis ça, c'est pas du tout, voilà, c'est pas, vous pourriez être mon fils. Donc je vous le dis parce que c'est agréable de voir des vraiment belles personnes. Bon, je prends mes médocs, je sors. Enfin, on le fait passer avant parce que moi j'avais une liste de médocs très longue. Et là, c'est le normal. Mec. Et là, à ton âge. Le mec, il. Et alors le mec, il n'ose pas dire ce qu'il veut. Alors je lui dis, si c'est pour des préservatifs, j'en ai chez moi, mais pour rigoler, tu vois. Ah bah oui. Mais pour rigoler. Ah ouais. Il a eu peur. Et alors? Et alors attends. Donc le mec il sort, moi je prends mes médocs et tout, je sors de la pharmacie, dans ma rue, et il me dit, madame, vous savez, je voulais vous dire que vous pourriez pas être ma mère, parce que j'ai 35 ans. Puis moi la fille, tu vois, au lieu de dire, ah ben voilà, je dis, ben oui, je pourrais être votre mère, mon fils en a 36, tu vois, la connasse déjà. Non mais si j'avais su ce qui allait se passer après, j'aurais pas dit ça, tu vois. C'est pas ça, c'est surtout qu'il a dit, vous pourriez pas être ma mère, je suis noire. Alors... En plus, le mec, il est noir, mais la mère est anglaise blanche, et le père, il est... Il t'a présenté à ses parents? Oui, c'est ça. Non, ouais. Non. ça va toujours très vite avec Christine. Tu te maries quand? On a discuté et il m'a dit, est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre? Alors moi, il faut m'imaginer, j'étais en jogging avec nu-pieds dans des hugs. Je préfère pas, moi. Et donc... Le mec, il l'a confondu avec France Gall. Vous avez eu du bol qu'ils vous prennent pas pour Marine Le Pen. Il voulait la faire changer d'avis, c'est pour ça qu'il a pris un café. Et donc je lui dis que non, ça va pas être possible. Et à ce moment-là, il me dit, est-ce que je peux vous laisser mon numéro de téléphone? Et je lui dis non. Et il me dit, est-ce que je peux prendre le vôtre? Je dis non. Mais, et puis quand même, il était tellement beau, tu vois. Alors voilà. Je dis, bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous donner le numéro de mon assistante. Et vous l'appellerez et éventuellement t'attaque. T'as une assistante? 5 minutes après. T'as une assistante pour les plans cul aussi? J'ai une assistante. Pour le cul. Mais pour les plans cul. C'est Clara Morgan. C'est Clara Morgan. T'aurais donné le numéro de ta pharmacienne? Il y a Françoise qui les surveille d'abord? Oui, elle fait tout. Oh merde. Elle crie. Elle les essaye avant aussi. J'ai pas le temps de remonter chez moi, de faire le code et machin, que déjà, il a appelé Françoise. Ah, il était chaud. En disant, bonjour, voilà, je vous appelle de la part de Christine Bravo. Je sais pas, on va arriver où, mais on y va. On espère. On attend juste le moment où il vous tringle, merde. Ouais, c'est ça. et ardemment même. Alors, et puis vite fait, sur le gaz. Alors vas-y. Parce que ça commence à traîner cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé bon, après? Bon, et ben alors depuis, ça, on n'arrête pas. Ah, la mythomane. Et ben voilà. La mythomane. Ben voilà. À
dites donc, c'est vraiment son anniversaire, hein, Christine, aujourd'hui. On a appris c'est sa fête. On a appris des trucs. Mais j'ai pas dormi cette nuit, je te jure. Alors, dites donc, je peux pas croire que vous soyez avec ce garçon-là pendant que vous m'envoyez tous ces textos pendant la nuit, quand même. Ouais. Non, mais si, attends, ça n'empêche pas, ça. C'est parce que je suis un peu mytho. Tu peux avoir les mains libres. Hein. On peut revenir à des questions, là, quand même. Ouais, vas-y. Allez. Elle s'appelle Chantal Rose. Elle a eu droit à tout un portrait hier dans le Figaro. Et j'aimerais que vous me disiez ce qu'a créé, au moins deux choses qu'a créé Chantal Rose, avant de se lancer elle-même dans sa propre entreprise. Elle a designé quelque chose ? Designé n'est pas tout à fait le mot, mais ça fait partie. Elle a fait le concours Lépine ? Non. Elle est française ? Elle est styliste. Elle est française, elle est née à Royan en 1948. Comment ça s'appelle ? Styliste. Chantal, comme Chantal. Oui, mais c'est Rose. Rose, R-O-O-S. Rose. Chantal Rose. C'est typiquement féminin ? Elle a créé vraiment deux trucs que vous connaissez, mais alors... De la lingerie. Très, très bien. Est-ce que c'est très féminin, ce qu'elle a inventé ? Masculin et féminin. Est-ce que ça se porte comme un vêtement, par exemple ? Ça ne se porte pas comme un vêtement. C'est un accessoire ? C'est pas un accessoire. Alors, jusqu'à présent, elle travaillait pour d'autres. Et c'est là, évidemment, qu'elle a créé ce que vous connaissez. Et maintenant, elle a décidé de se lancer en... Est-ce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant ? Si. Elle a créé deux noms de marques. Elle a pas inventé un objet qui n'existait pas. Est-ce que c'est... elle a vraiment inventé quelque chose? Non, c'est des sacs. Elle a transformé. Elle a créé deux marques. Bon, c'est des sacs. Ça se mange. C'est pas des sacs. Ça se mange. Des chaussures. Non. Des montres. Non. Tu dis qu'on connaît tous. C'est quelque chose qu'on a tous acheté déjà. Parce que ce sont des marques très connues. Il y a eu des publicités incroyables autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on achète? Il y en a même trois que vous connaissez, que vous achetez vous sûrement, Christophe. Moi sûrement. Michel aussi. Des chaussures. Gazan, je ne pense pas trop. Des slips. Christine, sûrement pas. Pourquoi ? Des brosses à dents. Et moi. On achète ça, nous. Christine, sûrement pas. Pourquoi Bernier, là ? Parce que je vous connais tous un petit peu. Parce qu'on a Christophe aussi, ça c'est sûr. Et moi, j'en achète, moi. Vous, je crois pas. Est-ce qu'il s'agit de déodorant ? Pas déodorant. Mais quelque chose comme le parfum. Un parfum. Alors, c'est des parfums d'ambiance, des bougies. Oui. Quel parfum elle a créé ? Ambre. Ambre, non. Tu parles de la marque ou tu parles de Le mâle de Gauthier. Gauthier, lequel Gauthier ? Le mâle de Gauthier, ça en fait un. D'accord, c'est une parfumeuse. Elle est née. Elle a créé des parfums pour d'autres marques. Oui. Ça y est, on a trouvé là. Pour Yves Saint Laurent aussi. Guerlain ? Non. Chanel ? Habit rouge, non, c'est Hermès. Chalimard ? Un des plus connus, un gros succès. Chalimard ? Peau sauvage ? Son plus gros succès. Succès. Numéro 5 de Chanel ? Non. L'air du temps ? Dracard ? Non. Pour un homme de 40 ? Alors, il y a des tartes même. Des tartes tatin ? Non. Le parfum tatin. Tiflette. Aux fraises ? Tiflette. C'est pas loin. Le parfum tignol, le tartignol ? Non. Le tartare ? Tarte aux pommes, aux cerises. Aux pommes, aux cerises, aux poires, aux pommes, aux pommes d'Api, aux pommes de pomme, aux pommes de pin, aux pommes vertes, aux pommes à l'huile. Un parfum que tout le monde connaît. Opium, tarte opium. C'est Guerlain. Non, c'est Saint Laurent. Et Pierre, il y a encore une autre très très connue aussi qu'elle a élaborée avec le nez Jacques Cavalier. Eau de Lancôme. On va pas faire Hugo le... Boss. Pas Eau de Lancôme. Mais machin de Lancôme. Eau d'Evian, mais non. Eau de toi de là. C'est pas Pierre Papillot. Hein. Donc j'ai eu Ça Boss, s'appelle Eau. Eau. Secours. Eau sauvage de Dior. Eau sauvage, on l'a dit. Eau de parfum. Eau Daniela. Non, c'est un jeu de mots d'ailleurs. Eau secours. Un jeu de mots. H2O. Non. Eau que ça pue. Pensez à Homer. Odyssée. Évidemment, Odyssée. Bonne réponse de Christine, bravo. Il s'est mis siaqué. Excuse-moi, mais. T'as dit penser à Homer et j'ai fait oh un donut parce que je pensais à Homer Simpson. Moi aussi je pense à ça. Je suis désolé, Gérard. Ah la culture. On a honte. J'ai pensé à Homer Simpson. Je suis désolé. Le Homer d'aujourd'hui ne vaut pas le Homer d'alors. Non, mais alors écoutez, cette dame, Chantal Rose, elle a quand même créé. Ouais, donc, c'est fantastique. Opium d'Yves Saint Laurent, l'Odyssée, c'est pas rien quand même l'Odyssée. Ouais, et puis aussi effectivement le mâle de Jean-Paul Gaultier qu'elle a commercialisé. Et elle a aussi fait Réminiscence aussi. Ça fait partie des parfums les plus vendus au monde. Patchouli, quand même. Et là, elle a décidé de travailler pour elle, de lancer sa propre ligne de fragrance avec sa fille. C'est un mot que j'ai du mal à dire, sa fragrance. C'est compliqué. Et ça va s'appeler Dear Rose, une collection de 5 fragrances. Elle avait le droit à toute une page dans le Figaro parce que voilà, elle a quand même fait une carrière incroyable. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers. J'aurais
adoré être né, moi, par exemple. Ah, mais vous êtes né, je vous rassure. Oui. Non, mais c'est vrai, sérieux, je trouve que c'est un métier magnifique. C'est un don de la nature extraordinaire que d'avoir ces Vous portez un parfum. J'ai dit que oui, vous en portiez, vous. Oui, oui. Lequel Dis-le. Enfin, pourquoi je m'en vais. Ah bon? Non, mais c'est pour qu'on vous offre. C'est pour ton anniversaire. Tu sais pourquoi je porte mon parfum depuis 20 ans? Allez-y. Parce que je l'ai senti sur Christophe. Pour la première fois, il le portait. Et c'est lequel? C'était Annick Goutal, Aude Adrien. J'ai jamais mis ça de ma vie, moi. Si. Mais jamais. Annick Goutal, je mets ça sur mes ampoules dans la lampe. Mais non. Non. C'est pas bien. Ah, mais c'est ça que vous sentez, la lampe berger, Christine. Mais elle se fait jamais piquer par les moustiques, n'empêche. Ah oui, ça sent bon, mais t'as mélangé avec un truc. La frite? Non, mais non, un truc. C'est la transpiration. L'andouillette. L'andouillette d'hier qui est tombée un petit peu là sur le col. Oh, pas de douche ce matin, vite, vite, parfum. Michel, qu'est-ce que vous portez-vous comme parfum? Alors moi, tout. J'adore tous les parfums. J'adore parfums. Mais pas en même temps. Bah, des fois, j'en chante dans la journée. Et du coup, elle sent le magasin Sephora. On m'appelle comme ça d'ailleurs. On t'appelle Sephora. Et vous, Beaugrand, alors? Mais moi, je vais faire plaisir à Madame Rose parce que moi, je porte le mal de Gauthier que déteste mon ami. À chaque fois, quand il me dit bonjour, Bonaldi, là, je suis le seul ami de Bonaldi de son setup. Et à chaque fois, il me dit change de parfum, c'est dégueulasse. Moi, je mets Bulgari. Voilà, mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. C'est pas vrai. Bulgari Forman. Enfin, le nouveau existe, mais c'est du yaourt, tu mettais du yaourt. T'es con, maman. C'est ouf. Il sent le yaourt. Un petit peu de yaourt. Oui. Bah, vaut mieux ça qu'autre chose. Par contre, tu fais gaffe, c'est du yaourt avec des morceaux. Hein. Ah, c'est ça le truc que j'ai là. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Faisons connaissance avec Véronique et Bernard. Bonjour tous les deux. Bonjour. 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 Véronique est à Lyon, lyonnaise, peut-être depuis toujours? Non, je suis originaire du nord de la France. Ah, et vous êtes descendue jusqu'à Lyon pour le travail? Exactement. Qui est? Je suis formatrice aux techniques de vente. Oh là 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 là. Ça fait rêver. Et ça marche, vous avez créé de bons vendeurs, de bonnes vendeuses? Oui, excellent. Vous excellent allez vérifier vendeuse. Après dans leur magasin pour voir? Bien sûr. On fait des visites mystères. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien. J'aimerais bien faire une visite. Comment ça se passe? Vous mettez une perruque, un truc? Mais non. Pas, j'ai pas besoin. On me reconnaît pas de toute façon. Donc bah si, si vous formez les gens. Oui, mais on me reconnaît pas vraiment. Donc, voilà, je vais dans d'autres magasins voir s'ils font les choses correctement. Véronique, je vous présente Bernard, votre challenger. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Il est où Bernard? Il est en Belgique, il est à Gerpine. Ah, c'est sympa, ça fait bien. Envie tout de suite. J'aime bien. Gerpine, c'est du côté de Fourqueux, non? Ah, c'est amusant. Oh non, franchement. Il fallait pas citer le nom de la commune. C'est là que j'habite. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bernard? Je travaille aux ressources humaines d'une grande institution financière, mais j'ai promis à ma responsable de ne pas la citer. Ben, vous avez bien fait. Comment Bernard. S'appelle-t-elle, cette responsable? Et hier, votre dîner. Moi, j'aime bien les dîners belges. Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? J'aime bien les belges du côté court. De Gerpine. J'ai pas beaucoup mangé parce que j'ai étudié, mais des pêches au thon. De la pêche au thon? De la pêche au thon? Ouais, la pêche au gros. De la pêche, thon, de la pêche avec du thon. Donc, non, mais c'est un ami belge. Exactement. C'est de la pêche au thon. C'est comme de la pêche melba, mais avec un thon à la place d'une boule de vanille. Voilà, exactement. On a les moules frites et la pêche au thon. Très bien. Bah, écoutez, pêche au thon, très bien. Attends. Sérieusement, vous dites que la pêche au thon est aussi connue que les moules frites? Oh non, la pêche au thon, c'est courant chez nous. Hein. Je demande à mon collègue ici. Oui. Pardonnez-moi, je suis allé. Demandez à votre collègue. Je suis allé très souvent en Belgique, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais vu la pêche au thon qui imite minablement le thon. T'as une pêche avec du thon que tu mets dessus. Oui, on a bien compris. C'est ça. Il nous prend pour des cons. Il prend pour des cons. C'est ce qu'on avait dit. On a compris. Véronique, votre dîner, vous, à Lyon, c'était quoi? Moi, c'était croque-monsieur salade. Ah, ben voilà. Typiquement lyonnais. C'est ce que c'est, un croque. Véronique et Bernard, vous allez peut-être partir au domaine d'Auriac, un hôtel relais château 5 étoiles à Carcassonne dans l'Aude. Le domaine d'Auriac vous recevra dans le calme et le confort. Une ancienne maison de maître, 24 chambres aménagées avec soin. Un parc de 4 hectares, des arbres tricentenaires, à 2 pas de la cité médiévale et du canal du Midi. Et en plus, vous pourrez évidemment bénéficier de la table du domaine d'Auriac, un restaurant étoilé au Michelin. Voici la question, Véronique et Bernard, qui va vous départager. Êtes-vous prêts? Oui. Si je vous demande pour quelle raison on parle beaucoup dans la presse ces jours derniers d'Elena Costa, êtes-vous capable de me répondre? Partie en croisière. Elena Costa, elle n'est pas partie en croisière, Christophe. C'est la première femme à entraîner un club de foot. Alors. Et lequel? Attendez. C'est le club de Clermont-Ferrand. Alors attendez, c'est pas la bonne réponse pour l'instant. C'est la Portugaise, c'est une Portugaise.
Guest, non, mais c'est pas qui est consultante, qui a 36 ans. C'est la première femme qui va entraîner des hommes. C'est la première femme qui va entraîner des hommes. Bonne réponse de Bernard. Ah ben oui, 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 oui. Il a raison. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça c'est aussi dur. La première femme qui va entraîner à Clermont. Mais elle entraînait des femmes. La réponse est pourquoi on en parle. On en parle parce que ça va être la première femme à entraîner des hommes. Autrement, on n'en parlerait pas. Il y a des tas de femmes qui entraînent partout. À Clermont. Pas à Clermont. Bah oui, sûrement à Clermont. Il y a des femmes qui entraînent du basket, qui entraînent des femmes. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit une femme qui entraîne des hommes. Merci. Véronique, je suis désolé. En plus, vous avez eu tout le temps qu'il fallait, mais l'originalité. Oui, mais quand même. Non, Véronique. Vous pouvez pas me faire un petit lot de consolation? Vous allez avoir un lot de consolation. Un week-end avec Christine Bravo. Mais je peux pas vous faire autrement, parce que franchement, c'est voilà la raison pour laquelle on parle de cette femme. Autrement, personne n'en parlerait. C'est parce qu'elle entraîne des hommes. C'est ça qu'il fallait dire. Est-ce que vous aimez les livres d'histoire? Parce que j'ai gagné des livres d'histoire. Je peux vous les offrir avec plaisir. Oui. Mais vous gagnez quand même, je vais vous le dire, chère Véronique, des glaces Magnum. 100 euros. 100 euros d'achat, c'est pas mal. Bon, merci. Bernard, vous avez un peu profité de la situation, tout de même. J'avoue, franchement. Oui. Pourriez peut-être l'emmener dans le domaine d'Aurillac. Si mon épouse ne souhaite pas venir avec moi, je ferai pas. Surtout si Véronique. Oh non, Véro, pourquoi pas. Bah, ce serait appelé Béatrice, j'aurais rien dit. Bah oui, je comprends, malheureusement, mais non. Ça nous aurait manqué. On serait dit, c'est dommage qu'elle s'appelle pas Véronique. Ouais. C'est le spécialiste de la pêche au thon, je le rappelle. Oh non. C'est gentil pour Véronique. Ah non, Véronique est sublime. On sent le client régulier de Dodo la Saumure. Vous êtes allé au Desca Club? Non. Véronique, en tout cas, vous gagnez des glaces Magnum et les deux livres que vous a promis Christophe Beaugrand. Des bisous et puis vous retenterez votre chance. Des gros bisous. Peut-être avant l'été, d'accord Véronique? D'accord, merci, c'est gentil. Et voilà, et Elena Costa, effectivement, c'est une entraîneuse portugaise. J'ai l'impression qu'elle ne parle pas français, ça qui est bizarre. Pas pour l'instant. Elle ne parle pas encore, mais elle vient d'être nommée. La saison prendre une femme pour entraîner des hommes, je trouve ça très bien, pourquoi pas. Merci. En plus, alors c'est déjà quand même un petit handicap. Il va quand même falloir s'imposer auprès des footballeurs. Non. Mais si en plus elle ne parle pas français, ça me paraît étonnant. Elle va l'apprendre vite. Généralement, ils apprennent de manière express. En deux mois, elle saura peu parler. Elle arrivera bien à dire un jour Roucoule. Non, mais je pense qu'elle le baragouine un peu, mais dans les médias, généralement, ils veulent pas. Il y a des baragouines là-bas? Clairement. Il y en a partout. Il y a des baragouines et des portugais. Et autant les portugais gays, autant l'espagnol. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Moi, j'ai honte de cette émission. Ah ouais. Moi aussi. Et pour l'anniversaire de Christine. En plus, j'aurais pu lui chanter une jolie chanson. Je sais pas très gentil. Christine, faites pas la tête. Non, mais parce que tu vois, tu te bats de gamise. C'est vrai que raconter qu'on rencontre un black en achetant des suppos, c'est autre gamme. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, Jérôme Bonaldi, quoi de neuf? Je vous prépare une recette qui va prendre quelques minutes, le temps d'une chronique. Je casse un œuf frais. C'est pas vrai, faites ça devant nous. Il est en train de casser des œufs dans une. Je rajoute un petit peu de gruyère râpée et je vais vous faire une brochette d'œufs. Vous n'êtes pas lavé les mains depuis combien de temps? Je me suis. Bah, il est à côté tout à fait, tout à l'heure, nettoyé. Je vous vois toucher à toute la bouffe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tout à l'heure, je me suis nettoyé les mains avec un petit. Oui, tout à l'heure. Tu veux gratter pour qu'on bouffe ce truc. Alors là, il a raison, Laurent. Tu t'es pas lavé les mains depuis 2 heures. Mais c'est pas grave, laisse-le faire. Ça tombe bien, je n'ai pas touché à la nourriture. Bordel de merde! C'est un œuf avec une coquille. Donc j'ai pas touché à la fromage. Le fromage râpé. Mais vous allez mourir. Mais vous allez mourir, les gars. Il faut pas être hygiéniste. J'ai fait donc une petite omelette avec un œuf. J'aurais pu en mettre deux. Je mets un petit peu de gruyère râpée et je mets le tout dans haut. Mais quel est donc cet objet conique? Oui, ça s'appelle le Easy Cook. E.Easy Cook. Oh, quelle horreur. Et ça va prendre un œuf, ce truc? On dirait un truc. Il y a une espèce de tube. Voilà, c'est une cafetière comme il y avait avant, si tu veux. Simplement, il y a un trou central, c'est branché sur l'électricité, c'est préchauffé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va cuire doucement. Et après? Alors, en fait, tu l'as versé comme dans une bouteille. Exactement. On enlève les poils et on fait une. Au centre de cette bouteille, je place ici. Un tuyau? Non, une petite brochette en bois. Une petite brochette. Voilà. Tu vas pas me dire que tu vas faire une brochette d'œuf? Exactement. On va faire une brochette d'œuf. Mais ça sert qu'à ça, parce que ça fait quand même, ça prend place pour faire une brochette d'œuf. Ça prend la place d'une cafetière. Mais ça fait que des brochettes d'œufs ou tu peux faire cuire des merguez? On peut faire plein de choses avec toutes les
toutes les recettes possibles et imaginables sont là. Bah, c'est, qui rentrent dans un tuyau. Non, tu peux une pas, pizza, ouais, tu peux pas chauffer une merguez ni une pizza. Un poulet, ça passe pas. Si, mais attends, regarde, l'idéal, tu mets ta mais merguez petit, et tu verses les œufs autour. Ouais. Ça te fait pourquoi une tu veux mettre les œufs là-dedans parce que c'est mieux avec les œufs. Voilà. Pour le cholestérol. Bon, si vous voulez, on passe à autre chose. Pendant que ça cuit. C'est pour la fête des mères. Voilà. Et t'as pas l'air d'y croire. Et ça s'appelle Easy Cook. Easy Cook. Et ça coûte 90 euros quand même. Je vais faire une brochette d'œufs. C'est assez cher quand même. Quand on sait plus rien, quoi. Tout ça pour faire des œufs en brochette à un cuiseur. Ça s'appelle un cuiseur vertical. On a surtout pas vu le résultat. Un cuiseur vertical. C'est très curieux. C'est n'importe quoi. Ah oui, c'est un cuiseur vertical. C'est un cuiseur horizontal. Maman, bonne fête. Qu'est-ce que tu m'as offert, chérie? Un cuiseur vertical. Pour faire des brochettes d'œufs. Tu vas voir, ça va te servir tous les jours. Oh la vache, il vient de me faire manger un truc génial. Ah, c'est quoi? Merci de dire ça. Ça s'appelle Too Good. Je sais pas ce que c'est. C'est du caramel aux céréales. C'est la tombé par terre. C'est la première chips sucrée et saine au rayon biscuit. Oh la vache, 2% de matière grasse. Seulement. C'est des chips de céréales, blé, avoine, riz, maïs, soufflé, avec un peu de caramel à l'intérieur, et seulement, elle a raison, 2% de matière grasse. C'est bon. Pour se faire plaisir. Tout et ça, c'est trop bon. Un peu partout, en particulier dans toutes les grandes surfaces alimentaires. Et à quelle occasion ça se mange? Quand tu veux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait 2% de matière grasse, légèrement sucrée, et même caramélisé. Ouais, voilà, bien. Et c'est que des céréales dedans. C'est bon, une raquette connectée maintenant. Oui, l'objet connecté de la semaine. Non, mais arrêtez de connecter n'importe quoi. Ah, j'ai cru une raclette. Non, ça, moi ça m'a pas une raclette. Une raclette connectée. Du reblochon connecté. D'accord, tu peux acheter de la tartiflette en Wi-Fi. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires des objets connectés, le 3.0 ou le 4.0, ça sera plusieurs milliards de dollars. Et que très bientôt, il y aura 20 milliards d'objets connectés. Qu'est-ce qu'on fait avec votre raquette? Vous avez une raquette de tennis. Vous jouez au tennis avec. Bon, d'accord. Et alors, je joue bien, je joue mal? Non. Je peux le savoir grâce à Artengo. Artengo, c'est l'une des marques de Decathlon. Regardez ce petit objet qui est grand comme un petit briquet. Une boîte d'allumettes triangulaire. Je le bloque. Il est fait avec un petit scratch sur ma raquette. À l'embranchement, tu sais, au bout du manche. À l'embranchement du cadre. J'appuie sur le petit bouton et ça me calcule les mouvements que je fais. J'ai fait un smash, quelques semaines droit. De Roland-Garros, vous allez faire un malheur. Mais avec cette raquette. J'ai le coup droit, la balle est bien placée. Mais à quoi ça sert placée. De savoir ce qu'on a fait? Ça permet de corriger, j'imagine, tes mouvements. Exactement, ça te fait comme un coach personnel. 100 euros sais, moi, ça me donne envie de partir en vacances, moi. À c'est vachement malin. Regardez, c'est un garçon de... Il y a la brochette qui a commencé à sortir du tuyau. C'est dégueulasse. Il y a une espèce de truc gluant qui sort du tuyau. C'est dégueulasse. C'est beau. C'est bizarre. C'est surtout ça qui est drôle. Tu mets ton œuf dedans et sur le coup, ça sort. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est dégueulasse. Eh ben, c'est la brochette d'œuf. Oh là là, comme c'est bizarre. Regarde. Ça doit être pratique à nettoyer ce truc-là en plus. Tenez, Christophe, je crois qu'il a vraiment envie de la manger. avec des chips. Moi, je sucerais bien les doigts, Bonaldi. Ça donne envie en tout cas. C'est rigolo. Allez, un dernier objet. Qu'est-ce que vous me donnez? Le robot qui fait les vitres. Ah, c'est bien ça. Ah, ça doit être bien. Il fait les huîtres? Non, pas les huîtres, les vitres. Ça dit qu'il fait les bêtes. Mais le casque. Non, mais je commence à perdre le. Robot qui fait les huîtres. Ça s'appelle Easycline. Et c'est le Hobot. En fait, ça présente comme une sorte de patin. Il y a deux petits ronds qui tournent et je le mets sur la vitre et en particulier, si je le veux, la vitre extérieure. Ça voilà. Doit être bien, ça. Et en fait, comme c'est un aspirateur, génial. Ça aspire le truc. Ah, c'est génial. Où est là? Ça marche pas, voilà. Je suis sûr, ça. Attendez. Donc ça tient tout seul. C'est bien, ça. Voilà. Alors ça fait génial. On s'en fout, c'est sur la vitre extérieure. Et on peut s'en servir pour n'importe quoi, ce truc. Exactement. Oui, pour le dos. T'as ton Velux pour qui est tout en haut, tu sais pas je comment le nettoyer. Mais pour dans le et mettre tu dans t'en le dos. Occupes pas. C'est parce génial. Il reconnaît l'endroit, il reconnaît les vitres et il le fait consciencieusement. Ah, c'est génial. D'abord, il fait un repérage et après, il nettoie tout comme ça. Oh là et là, l'intéressant, c'est que... Combien ça coûte? Ça coûte un peu cher. 370 euros. Combien? Oui, 370 euros. C'est sans eau, c'est de la ça merde. Il n'y a pas d'eau. Non, oui, mais ça ressemble un peu à un robot de piscine pour laver les piscines. Que je comprends pas. Il n'y a pas d'eau dedans? Il n'y a pas d'eau, oui. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un cordon. Ça doit être attaché électriquement. Oui, parce que si jamais tu as une grosse panne d'électricité, il ne faudrait pas qu'il tombe dans la rue. Donc le cordon. C'est pratique pour mettre dehors et la prise, il faut une rallonge de je ne sais pas combien. Alors si vous avez des grandes vitres, en fait, vous demandez à aller livrer avec. Vous avez une corde de 25 mètres. Une rallonge de 25 mètres et donc vous pouvez le mettre si vous avez, et comment, comment ça c'est change pratique, de carreau si t'as à carreau et tout ça, c'est alors c'est livré avec Alain Robert qui te le déplace. Merci Jérôme Bonaldi. Dans un instant Serge Liano. Europe 1, on va se gêner. Do Ré Mi Fa Si. Do Ré Mi Fa Si.
Dorémy Facilliado. À vos papiers, à vos stylos, il y a maintenant 10 chanteurs à identifier. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors, Serge. Ces chanteurs. Salut Serge, Christine. Bon anniversaire. Oui, cumpleaños. Pourquoi c'est son anniversaire aussi? Mais non. Non, mais c'est ce que je dis à Christine en espagnol. Cumpleaños. Ah, que bonito. Ces chanteurs que vous avez désignés, choisis et que nous allons devoir reconnaître ont tous un point commun. Dans leur chanson, on parle de tatouage. C'est oui, bien ça? Oui, parce que le tatouage fait son entrée au Quai Branly. C'est devenu de nos jours un phénomène de société, alors qu'au départ, c'était un rite tribal. Donc, là, ça fait des années que la chanson s'intéresse au tatouage. Je vous propose un florilège de 10 extraits de chansons. À vous d'en deviner les interprètes. Il y a 5 voix masculines, 5 voix féminines. 10 voix à reconnaître, donc. Il a l'estomac avec un tatouage. Sous ce tatouage, un point d'interrogation. J'ai fait tatouer sous ma peau dans le creux de mon dos un petit rainbow. Les petits frères d'âme, l'orgueil à fleur de peau qui respecte les femmes. Et tatouent sur leur peau les 3 points de l'envie d'être libre. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait, pas vu, pas pris. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manias, qu'est-ce qu'on y gagne? Mon nom est tatoué sur ta peau. Et sur tes reins de marin coco. C'est pour toi que je tresse de mes doigts mes musiques. J'ai tatoué ton nom là sur ma peau publique. Des gars tatoués comme des panthères, dont les corps musclés ont des bras qui serrent. Les filles aiment les tatouages qui partent au lavage. Les filles aiment les tatoués. J'ai tatoué ma peau à l'encre de tes mains. J'ai tatoué le faux pour me cacher le vrai. Ah là 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 là, tous ces tatouages. On les connaît. Mais je suis déçu, il n'y a pas Dao et pour le tatou. Ah bah ce serait trop facile. Bah oui, alors que les oui, autres... Il y avait Dao. Mais il y a Hélène Ségara, qu'on vient d'entendre, c'était Hélène. Beau. Bah ils sont assez faciles, à part à mon avis, 2 que vous ne reconnaîtrez pas. Il y a Renaud. Sylvie Vartan. Ouais. Alain Delon. Ouais. Nolwenn Leroy. Niagara, oui. Fernandel, oui. Jeanne Moreau. Il vous en manque 2. C'est moderne. San Severino, non. Amel Bent. Maintenant, il en manque plus que 2. Eh oui, oui. Femme. Oh, il y en a un, c'est une marotte de Serge Liado. Alors, ah, les Pringles, là, je sais pas quoi. Non. Les Pringles. Richer Barrier. Non. Et Les Fatal Picard. Très bien. Super. Et l'autre, je vais vous le dire quand on va réécouter tous les noms. En tout cas, le premier, c'était bien Renaud. Il a l'estomac avec un tatouage. Sous le tatouage, un point d'un. Une chanson de frêle au départ. On Sylvie. Moi, c'est Sylvie. Trop belle. Non. Bonjour, le palais des sports. J'adore. Petit frère d'âme, l'orgueil à fleur de peau. Alain Delon. Alain Delon. Un texte de Patrick Sébastien. Être libre. Il était plein de tatouages que j'ai jamais. Amel Bent, bravo. Ah, il fallait la trouver quand même. Là, j'ai cru que c'était Nolwenn. Je suis un dur. Le père de Stevie, Fernandel. Je fais pas des manias. Qu'est-ce qu'on y gagne? Mon nom est tatoué. Niagara. Ah, Niagara. C'est bien. Muriel Moreno. Ah là là. C'est pour toi. Allez, Fatal Picard. Eh oui. Que je tresse de mes doigts mes musiques. Ensuite, Madame j'ai Courtepaille. Ton nom. Jeanne Moreau. Là sur ma peau. La voici. Des gars tatoués comme des panthères, dont les corps musclés ont des bras qui serrent. Les filles aiment les tatouages. C'est celui qui vous manque. Oui. Daniel Darc. Regretter Daniel Darc. Sexy girl. Les filles. Sa sœur Jeanne est célébrée en ce moment. Et Mireille aussi. Et une chanson qui nous rappelle tellement de souvenirs. Tu vas me quitter. Hélène Ségara. Ouais, et vous l'êtes passé en boucle tous les deux. Ah ouais. Ah, ça arrive. Hein. Mais vous êtes amoureux? Mais non. Tu n'as rien compris. Oh là là. Tu vas me quitter, Hélène Ségara. Et on va vous quitter, Serge Liado, car l'invité d'honneur est arrivé. On le retrouve évidemment tout de suite après les infos. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui
dans la loge d'honneur. Ah, un invité qui vient pour la première fois dans notre loge d'honneur. Bienvenue, invité d'honneur. Bonjour. Ravi de vous, ravi de vous accueillir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Tu l'aimes bien, donc. Attention, je crois que je ne vous ai jamais rencontré jusqu'à présent. Si, j'ai explosé une fois. Ah, il s'en rappelle pas, c'est agréable. Vous étiez au Moulin Rouge. Ah, au Moulin Rouge. Mmh. Ah, ça alors. Ah, bah très bien. Bah, écoutez, est-ce que je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous êtes une jeune femme ? Je me suis gardée ce matin, non. Non, a priori, alors, vous avez de la barbe. De l'ombre. Non, pas de barbe. Pas de un barbe. Homme. Un homme à vrai ? De moins en moins, mais je suis un homme. Est-ce que vous êtes tatoué ? Non. Est-ce que vous êtes plutôt beau garçon, plutôt bel homme ? Le matin, quand je me regarde, oui, le soir, non. Ah, d'accord, parce que vous avez des grosses journées, c'est ça ? Est-ce que vous êtes élégant ? Je ne le crois pas. Vous travaillez beaucoup ? Les gens qui me connaissent trouvent que je travaille énormément. Est-ce que votre apparence physique, c'est important dans votre métier ? Non. On vous reconnaît dans la rue ? Depuis qu'il fait de la pub, oui. Depuis quoi ? Depuis qu'il fait de la pub. N'en dites pas trop, monsieur. N'en dites pas trop. C'est Gad Elmaleh. Oui, alors je rêve d'une banque. Qui m'écouterait qui me ferait parce pas que moi, quand j'appelle Gad Elmaleh, on ne me prend pas au téléphone, bien sûr. Alors attention, oui ou non, hein, pour répondre aux questions, c'est mieux. Donc vous avez fait de la publicité, c'est la publicité qui vous a rendu très célèbre, c'est ça que vous nous disiez ? À la télé, oui. À la télé, oui. En tout cas, il était déjà célèbre. Oui, bien sûr, ça vous mais la publicité, évidemment, l'a rendu encore plus célèbre. Voici une première indication musicale. Moi, vouloir être un chat, me frotter contre tes bas. Je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être chat. Moi vouloir être chat. Ça, c'est une bonne idée. Michel Bernier, d'ailleurs, se dit tiens, notre invité est peut-être Alain Afflelou. C'est pas bête. Bah oui, la pub, c'est grâce à la pub. Êtes-vous Alain Afflelou ? Non. Vous aimez les animaux ? Est-ce que vous êtes sportif ? Totalement. Vous faites de la radio ? Non. Vous composez de la musique ? Non. Est-ce que votre activité est physique ? Non. Est-ce que vous êtes intellectuel ? Ça peut être fatigant à la fin d'une journée, j'imagine. Oui, non, je pense que c'est pas avec son corps. Non. Ça dépend de ce que je rends comme service à ma société. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la presse People en photo ? Non. Non. Voici un deuxième indice musical. Je t'aime et je l'avoue. Une autre est à mes côtés. Le soleil se lève et puis il se couche, toujours pareil. Et moi c'est pareil. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche. La nuit et le jour, c'est ça l'amour. Le soleil se lève et puis il se couche. À la voix, vous pouvez peut-être reconnaître qui chante. Écoutez bien. Donne-moi tes lèvres, donne-moi ta bouche. Ah, si vous connaissez le nom du chanteur, là, ça peut vous aider. Ah, hein. On peut le repasser une seconde, je l'avais là. Une seconde, alors. Oui. Hein. Je t'aime et je l'avoue, et depuis l'été dernier, depuis si tu me veux, une autre est à mes côtés. Allez, continuez vos questions, puisque ça n'a pas l'air de vous. Est-ce que vous avez un pseudonyme ? Il est familial. C'est-à-dire que d'autres gens de votre famille sont connus du grand public ? Non. Est-ce que vous travaillez en solo ou en équipe ? Je suis très solitaire, mais je travaille avec une équipe fantastique. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision ? Pas assez. Voici un autre indice musical. C'est une musique de Pierre Bachelet sur laquelle je vous demande de réfléchir. Nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Une musique de film, signée Pierre Bachelet. La belle Mergo.
Si vous connaissez le film, évidemment, ça va énormément vous aider. Est-ce que ça s'est déjà fait dans cette émission de réécouter un indice? Non, parce que je... Non, parce... Lequel vous voulez? Je voudrais celui de la voix, non, le truc super non, mal mixé. On l'a déjà eu. Oui, mais je voudrais l'indice de Noël. Non, non, je voudrais réécouter la voix, parce que je sais qui c'est, mais c'est là. Pour vous, Christophe. Merci, c'est rien gentil. Rien pour vous. Hein. Est-ce qu'on peut... Ah, est-ce que c'est... Attends, bah non, tais-toi, attends. Ah oui. Est-ce que c'est Jean-Marc Thibault? Ce n'est pas Jean-Marc Thibault. Non, non, je l'ai, le chanteur. Tais-toi deux secondes. Alors, je sais qui est le... Je sais qui est le... Bah, tu peux me remercier d'avoir demandé l'indice, alors. Oui. Allez, maintenant, il faut poser des questions à notre invité. Est-ce que votre métier, vous le pratiquez essentiellement sur une scène de spectacle? Non. Est-ce que vous êtes scénariste? Non. Est-ce que votre profession est artistique? Non. Voilà. Non. Est-ce que vous êtes journaliste? Non. Médecin? Est-ce que vous fabriquez dans votre métier? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Christine, pourquoi vous m'avez proposé Serge Lama? Non, pas Serge Lama. Ah bon, c'était Serge Lama qui chantait. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai cru que c'était Bernard Lama, le sélectionneur. Ah non, c'est pas un sélectionneur, c'est un gardien de but. Et puis il y a longtemps qu'il joue plus en plus. Ah bon? Et puis c'est pas un sportif. Est-ce qu'on peut réécouter le truc? Ah non, on va pas réécouter 10 fois ce truc. Non, j'ai un meilleur indice à vous proposer. Allez. Surpris, invité, mais Christophe Beaugrand vous a déjà identifié. Bravo, Christophe. Ah, oui, oui, oui. Et vous n'en revenez pas que nous ayons cet invité. Ah, ben, c'est étonnant. Est-ce que vous êtes un homme politique? N'en dites pas plus, non, Christophe. Pas plus. Mais voyez, Christophe est très surpris. Je suis fan. Et il n'en revient pas. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Est-ce que vous avez travaillé pour les politiques? Non. Peut-être un indice suivant. Écoute ma voix, écoute ma prière. Écoute mon cœur qui bat. Laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Là, il y a quand même des indices. Il y a beaucoup d'eau. Ah, bravo, Christine. Alors, c'est le mec de chez Ozana. Mais non, mais il faut chercher sur c'est l'eau. C'est la pub, Ozana. Est-ce que vous faites... Mais arrêtez, est-ce que vous naviguez? Alors, attendez. Taisez-vous, est-ce que vous naviguez? D'où vous dites que dans votre métier, vous êtes connu du monde entier? Oui. Si on trouve votre métier, on vous trouvera. Je crois Absolument. Je crois que pour l'instant, Florian Gazan et Michel Bernier... On devinait qui était dans la loge, mais non pas le nom de notre invité. Non. Contrairement à Christophe Beaugrand, qui lui m'a donné le nom. C'est je suis d'une culture absolument incroyable. Je vais aider les autres. Mais il y en a un dans cette équipe qui est vraiment nul. Faut quand même le dire. Pardon Jérôme, mais vous êtes vraiment nul. Je vous le dis comme je vous le dis. Bien vraiment. Fait de venir aujourd'hui mon Jérôme. Roxane, c'est pas une marque d'eau? Bah oui alors. Alors il y a plein d'eau, mais moi. Écoutez cet indice suivant. Alors Christophe Beaugrand, notre invité d'honneur, c'est... Pierre Papillon. Pierre Papillon. Pierre Papillon est notre invité d'honneur. Vous le voyez
Tous les jours, Monsieur Papillon. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Dans des spots et des scènes différentes en plus. Vous le voyez faire sa pub pour son eau, Rosanna. Mais c'est à lui. Vous avez choisi vous-même de vanter les mérites de votre eau pétillante, puisqu'elle est pétillante, Rosanna. Gazeuse. Naturellement. Ah, oh, pardon, c'est pas pareil, gazeuse. Naturellement. Nous n'achetons pas le gaz ni chez Peugeot, ni chez Fiat, ni oh. chez... Non mais moi j'ai un appareil. Il y en a certaines qui prennent leur gaz et qui les réagazifient derrière. Ouais. Ça va. Et... Attention parce que Monsieur Papillon, ici présent, qu'on voit dans sa publicité pour son eau Rosanna, n'est pas seulement propriétaire de l'eau Rosanna. Oui, comment on peut être propriétaire d'eau ? C'est tout le groupe Roxane, c'est bien ça ? Cristalline. Cristalline, oui. Cristalline, c'est vous. Ah, Guillaume. Oui. Saint-Hyor, c'est vous. Oui. Vichy Célestin, c'est vous. Oui. Putain, vous êtes bon parti. Vous êtes blindé. Vous êtes parti. Oui, blindé, oui. Valls, c'est... Enfin, pas le Premier ministre. Hein. Valls, c'est vous. Châteldon. C'est vous. Oh là c'est là. Châteldon, c'est vous. Alors, est-ce que c'est Cristalline aussi. Est-ce que c'est vrai ce qui se dit dans la capitale, c'est que vous donnez de la Châteldon ou pas selon les restaurants ou pas, histoire de la faire monter un petit peu en pression. Si c'était vrai, ce serait magnifique, mais il n'y a presque pas d'eau. Il y a, je crois, 500 litres minute. C'est pas beaucoup, 500 litres minute. Non, c'est ridicule. Et c'est la Rosanna. Ah, là. Ça, c'est beaucoup plus. Et pourquoi ça a un goût comme Vichy Saint-Hyor, ça? Mais non, c'est pas bon. Alors justement, vous êtes capable de faire la différence entre vos différentes eaux? Non, impossible. C'est-à-dire qu'on vous fait un goûter suis né, à l'aveugle. Je suis né à Saint-Émilion. Ouais. c'est une autre eau. Je savais que ça allait vous plaire. Mais alors maintenant, on vous reconnaît dans la rue, j'imagine. Il y a des gens qui viennent vous parler et qui vous veulent une photo, peut-être même. Il y a même des gens qui ont la gentillesse de me dire « C'est pas mal, mais vous devriez aussi dire ça ». Alors, je dois dire que depuis le temps que je vois Monsieur Papillon dans cette publicité, ça fait à peu près 2 ans que je dis il faut absolument que je fasse venir Monsieur Papillon dans l'invité mystère. T'as des obsessions. Ah oui, parce que je voulais. Et ça fait un moment que Laurette Gignès cherche à vous faire venir. Ça y est, on a enfin réussi. Mais monsieur, je vous dois quelque chose et ça me ferait infiniment plaisir que vous me laissiez le dire. Vous m'aviez invité à l'époque où vous faisiez une émission, et là j'ai plus le nom en tête, c'était on a tout essayé, j'ai oublié, vous voyez. Et vous avez été d'une courtoisie, d'une gentillesse. Ah bah alors, c'est bien moi. C'est pour ça qu'il a oublié. Hein. En faisant quoi? Les questions, la défense, parce qu'il y avait des attaques, tout ça. Merci encore, j'en parle encore aujourd'hui. Ah merci monsieur Papillon. Vous êtes sûr que c'était pas de moi qui s'est lissé? Mais il y avait d'autres gens infiniment gentils. Monsieur Papillon, je suis très ému, vous l'avez reconnu tout de suite Christophe Beaugrand. Oui, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi toi? Rien que de l'eau depuis. Eh ben non, mais c'est parce que Pierre Papillon pour moi c'est une star. Alors, je suis même son compte parodique sur Twitter. Alors je veux juste comprendre comment est-ce qu'on est propriétaire d'une source ou d'une eau si elle est à moins de se rendre propriétaire du terrain et du souterrain, c'est ça? Dans le cas présent, vous faudra à peu près 2 ans. Il faudra 2 ans pour faire valider votre ressource comme étant commercialisable. Ouais. Ah oui. Donc il faut acheter les terrains, c'est ça. D'ici là, je vous aurai zigouillé. Qu'est-ce qu'il faut comme j'ai un petit jardin à la campagne avec une source. Et par exemple, je peux la rendre, si elle est potable, commercialisable. Vous ne pouvez pas la rendre potable. Elle sera potable ou pas. Ou pas. Ouais. Vous restez avec nous, monsieur Papillon. Vous êtes notre invité d'honneur jusqu'à 18h30 et on va expliquer les indices, évidemment, après la pub. Pierre Papillon est notre invité d'honneur. Vous le voyez dans la pub tous les jours. Il vante les mérites de son eau minérale, d'où, évidemment, le premier indice que je vous ai diffusé. Là, il y en a eu de la flotte. Vous comprenez? Non. De l'eau, pas de lait, j'ai arrêté le lait. Je ne boirai plus que du lait. Si vous lui donnez de l'eau minérale. Oh merde. On va y aller, hein. C'est dans la chanson? Non. Mais non. Mais non. C'est Laurent qui fait son jeu de mots. C'est le chat. Moi, j'étais sur Powo parce que je pensais sur le wow. Moi, vouloir être chat, je ne boirai plus que du lait si vous lui donnez de l'eau minérale. D'accord. Non mais toi tu sais, je vais te dire, c'est quand même spécial, Laurent. Tu devrais faire une émission pour toi tout seul. D'ailleurs, c'est un nouveau concept. Après pour tous, pour moi. Ouais. L'émission pour moi. Ouais. Vous comprenez, Christine? Si vous voulez de l'eau, minérale. Faut envisager la psychiatrie peut-être. Je pense que tu vas pas bien. Mais je comprends pourquoi monsieur n'a pas compris l'indice non plus, du coup. Le deuxième indice, qui chantait?
Claude François. Non. C'est une parodie de Claude François. Et c'est Romain Bouteille qui chante. C'est ça la voix. Non, je te jure, sur ma vie, je sais que je l'avais là. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole. Regarde les yeux. Je l'avais là et je connaissais cette voix. En plus, il a une voix très particulière, bien Romain sûr, Bouteille. Mon mais t'es vraiment truffe. Exceptionnellement, je le crois. Mais bien sûr. Oui, parce que Romain Bouteille a une voix très, très, très reconnaissable. Très rauque, très particulière. Et c'était Romain Bouteille. Bouteille d'eau, évidemment. Non, mais t'as qu'à nous prendre pour des cons. La musique de Pierre Bachelet, Histoire d'eau. Ouais, après on y était dans après, l'eau. Après rien que de l'eau, ça, de l'eau de pluie. En noyade là. T'aurais pu faire la danse des canards. Ah, c'est pas pareil. Non. Roxane, évidemment, c'est le nom du groupe. J'ai trouvé ça. Non, c'est pas du groupe. La chanson. C'est le nom de la chanson. Oui. C'est Police. Non, mais du groupe d'eau minérale. Ah, pardon. Voilà, j'ai une banane dans l'oreille. Voilà. Comment on a l'impression... J'ai une banane dans l'oreille. On a l'impression qu'on n'a pas vu que de l'eau. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il nous manque du magnésium. C'est le nom du groupe de Monsieur Papillon. Oui, j'ai compris. Ouais. C'est pas Police. Monsieur Papillon. Monsieur Papillon qui a quand même. Qui vous a poussé à faire la publicité vous-même, Monsieur Papillon? Vous aviez envie de vous montrer comme un flelou, comme les autres? Vous avez dit, raison, c'est ce qui va, ça va coûter moins cher. Non, je pense que vous avez tout dit. Oui. À un moment, on pense, on ne se fait pas guider, on a tort. Et puis, on se dit, il faut faire comme les autres. Depuis, il y a des gens qui ont des idées avant moi. Je ne comprends rien de ce que ce monsieur dit, mais non, c'est très intéressant. Alors, qui a eu l'idée? C'est vous ou c'est un publicitaire? C'est vous. Au début, c'est moi, et maintenant, ce sont des publicitaires qui viennent nous voir. Parce que vous êtes devenu un personnage, en fait, c'est ça aussi. Mais avec Delon, on peut faire chin-chin aussi, comme un flelou, donc finalement, on s'en sort. Alors, c'est pourquoi j'avais pas tort au départ? Birou. C'est incarné vraiment son propre produit. Oui. C'est vrai que c'est une crédibilité totale. Tu mets n'importe quelle vedette qui dit ouais, « l'eau est magique, vive ceinture », tout le monde s'en tape. Tout d'un coup, t'as cet homme honorable. Qui... Et puis qui fait vrai, quoi. On sent qu'il est pas fabriqué. Non, le fait que ce soit moi qui fais la pub a une histoire. Et je pense que je vous prendrai trop de temps. Et la petite Cristal qui joue dans le film pour Cristaline, elle appartient à votre société? Tous les acteurs sont des gens qui appartiennent à la société. Le type chauve qu'on voit de dos. C'est la fille d'une salariée de chez Roxane. Faites-moi changer le mot, bien sûr. La petite fille d'une maman, d'une grand-mère qui travaille dans la société. Vous aviez envie de chanter Bon anniversaire à Christine. Un mec qui fait dans la flotte, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée pour un anniversaire. Il faudrait Monsieur Champagne, évidemment, pour Christine. Mais bon... Vous êtes capable de lui chanter quelque chose, Monsieur Papillon? Ah oui, je crois qu'il a envie, Monsieur Papillon. Il est chaud, là. Et si vous avez envie de la pécho, c'est la trompette. Simple. Ah bah oui, moi, je dirais... Christine, ça va changer ton grand black. Ça serait breton. Non, le black, c'est pour la baise, et Papillon, c'est... Pour le blé. Non, il faut faire le poids pour chanter. Là, c'est un waterbed, Christine. Monsieur Papillon s'habille un peu old school. Il a le pantalon au-dessus du nombril, comme Chirac. C'est pour tenir. Et les bretelles. Il a des bretelles en centimètres, très belles. Elles sont géniales. Elles sont vieilles. Oui. Elles sont âgées, elles sont très belles. Pouce. Mais avec tout l'argent, c'est génial. Elles sont américaines. Vous êtes quand même. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? L'argent gagne les sociétés, je l'ai réinvesti pour pratiquement 90%. Mais vous ne faites pas plaisir, vous ne faites pas des beaux voyages. Mais si, regarde, il s'achète des beaux costumes. Non, t'es gentil, on ne critique pas les fringues. Ouais. Moi, je trouve monsieur très bien habillé. Bien style. J'ai 80 ans bientôt. Ah bon? Oui. Ah, vous faites vachement moins. Ouais, c'est rattrape-toi, allez, vas-y. Ah, mais il fait moins de 80 et, ans. Et je vais en boire de la flotte, dis donc. Ouais, non, ah oui, dis donc, c'est vrai, incroyable. Il fait presque Christine. J'éprouve un plaisir fou à créer. Hein? Il m'arrive de travailler presque 24 heures des fois et de monter des usines. Vous avez une famille, des enfants? Vous avez des enfants? J'ai une femme qui... Il m'est arrivé deux catastrophes dans la vie. Ah, Mitterrand et ma femme. Ah, ça doit être pour les mêmes raisons. Oui, c'était... Vous êtes de gauche, ouais, vous. Non, c'est oui. Il s'est fait piquer son blé par les deux. Oui, quoi. Oui, je suis de gauche. Le mec a des bonnes idées sur la gauche. Mais passé, c'était en 1981. Et qu'en 1981, nous avons découvert que ma femme avait une sclérose en plaques. Ah merde. Et depuis, elle vit dans une charrette et tout. Et je dis souvent, il valait mieux que ça arrive chez moi que chez un smicard. Parce que vous avez les moyens de... Totalement. De prendre soin d'elle et de mettre tout ce qu'il faut. Vous savez, c'est une femme, je vous demande la permission de dire ça. Ouais. C'est une femme extraordinaire. Elle m'a dit, tu récupéreras ta liberté, tu auras des femmes, des copines, etc. Mais surtout, ne m'abandonne pas. J'ai dit, c'est un mot chez moi qui n'existe pas. Ah, bah, écoutez, alors là, bravo, monsieur Papillon. Bravo, Papillon. Très bon.
Non, non, non. Ah si, 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 si. Ah, si, si, si. C'est une belle histoire. S'il vous plaît. Très émouvant. Mais... Cristaline, Saint-Yeur, Vichy-Célestin, Putain. Rosanna, Mont-Blanc, Saint-Amand, Vals, Châteldon, Saint-Antonin, Montcalm, Mont-d'Or, Mont-Blanc qui sort une nouvelle eau, oui. Je crois. Ça, c'est vous aussi. Et qui vient du... C'est la seule, hein. Oui. Qui vient du Mont-Blanc. Évian. Non, faux. Évian, non. Faux. Évian, non. C'est la seule. Contrex et Ville, non. Ça, c'est pas chez vous. Oh, elle est pas bonne. La Rosanna, elle vient de Saint-Yor, je comprends pas. Non, Rosanna, tu as raison, elle est à vol d'oiseau à 60 km. Mais on a franchi et on est sur les volcans. Avouez que c'était intéressant quand même de recevoir M. Papillon. Super, bravo, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Pierre Papillon.